forces de l'Imperium. Ici l'avant-poste Sigma Theta 21 de l'Astra Militarum. Coordonnées de balises transmises avec cette télécommunication. Nous subissons une attaque massive et coordonnée. Estimée en surnombre 10 contre 1. Nos défenses périmétriques ont été... On rappelle, on est ronde de 3. Tu vas devoir faire un 5+. Pour arriver à 8 et ainsi faire en sorte que ton message passe l'ombre dans le warp de l'esprit de la ruche et arrive au niveau des Astartes. La psychiatre et son escouade, allez sur un 5+. Ah ! Mais écoutez, en tout cas, ce qui se passe ici, c'est que donc... Nous avons subi de lourdes pertes. Nous faisons appel aux Astartes de l'Imperium pour un appui tactique et un renfort d'urgence. Bonjour les Wargamers, bienvenue dans ce second épisode de la campagne narrative pour sauver la planète Sigma Theta 21. Comme vous avez pu le voir, dans l'épisode précédent, le général Immortus a réussi à sonner l'alerte et c'est vous qui avez pu voter et c'est le chapitre Black Templar qui a répondu à l'appel en la personne de Alpha Cas Grimaldus. C'est pour la croisade. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Cet épisode va donc se situer quelques semaines après l'invasion tyrannide, et quand Alpha Cas va arriver avec ses troupes, il va déjà pouvoir faire un choix. Ce choix, c'est qu'en survolant la zone du haut de son Thunderhawk, il va pouvoir choisir de bombarder celle-ci, faire des blessures mortelles sur les unités du champ de bataille, celles-ci vont alors pouvoir se déplacer de 6 pouces dans n'importe quelle direction, et surtout, je serai donc au courant que l'assaut est lancé, et donc je pourrai reprendre l'initiative de la partie sur un 6. T'es prêt? Je suis prêt. D'accord. La croisade est prête. Donc là, on s'apprête à rentrer dans la salle de jeu. Alpha ne va rien voir. Tu verras d'ailleurs qu'il n'y a pas de mètre au tour 1. Tu es limité à 16 pouces de visibilité et donc tu auras une réglette de 16 pouces et tu ne pourras pas tirer au-delà de cette distance. C'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave pour nous ça. Ok, je nous mets dans l'ambiance. On est Allez. Parti. Frère. Frère, je ne vois rien. Où est l'ennemi? J'imagine Grimaldus qui avance là, avec son bonk stick là. Oh, j'aperçois des gargouilles. Oh, j'aperçois beaucoup de gargouilles. OMG. C'est un délire, je vois rien du tout. Oh la vache. Alpha s'est déjà déployé sans voir, donc comme vous avez pu voir dans la partie making of, ce qu'il y avait en face. Là, on a relevé le drap, mais il y a énormément de fumée dans la pièce. C'est incroyable quand tu te mets au niveau de... Ok, j'aperçois un screamer killer, j'aperçois des gargouilles. Il aperçoit beaucoup de gargouilles. Je vous rappelle qu'Alpha Cast, jouant Black Templar, peut au début de la partie choisir un vœu. Quel vœu tu veux choisir? Moi, c'est maintenir l'honneur de l'Empereur. Uphold the honor of the Emperor. Et ça fait quoi alors? Donc je vais avoir une Feel No Pain, une Insensible à la douleur à 6 sur toute mon armée et un commandement de 5. Et comme ici dans sa liste, il joue un Dreadnought Primaris qui écrase un tyrannide, j'ai trouvé ça assez sympa de le transformer en totem et que celui-ci, à 6 pouces autour de lui, puisse proposer un deuxième vœu. Ce magnifique Dreadnought ici qui est en train de marcher sur justement une tête de tyrannide. Il a atterri avec... merde. Un truc sous la jambe. Ça va t'offrir un deuxième buff, c'est-à-dire que toutes les figurines à 6 pouces de lui auront le droit à un deuxième vœu que tu vas devoir choisir. Ah ouais? Oh, c'est incroyable. Je pense qu'on va partir sur un... accepter tous les challenges, quelles que soient les chances. C'est parti, je vais jeter un dé pour savoir si je te reprends l'initiative, puisque comme t'as accepté de bombardement, aïe. Je suis au courant que t'es en train d'arriver. Et non, malheureusement, c'est toi qui vas avoir le tour 1. Ok, donc tu regardes la caméra là-bas. Non, je rigole. Templar, chargé. Faites chauffer les épées tronçonneuses, ça va chier. Avant de l'instant, on va choisir une cible. Donc non. Je te rappelle au niveau de tes outils, ouais. Tu as juste ici le seul outil qui va te permettre de mesurer. Les tirs. C'est deux réglettes aimantées de 9 pouces. Et comme on va les aimanter, hop, tu vas pouvoir mesurer uniquement avec ça. Et donc, tu as bien ici les 16 pouces. Pour maintenant vous présenter les enjeux de la partie sur la campagne narrative, il va y en avoir 3. Le premier enjeu, il va être pour les tyrannides. Comme sur la table, on va avoir le maître des essaims qui est l'incarnation de l'esprit de la ruche, son avatar. Celui-ci va devoir rester en vie pour pouvoir continuer la campagne. Les tyrannides vont donc avoir comme option de jeu le fait, à partir du tour 3, de pouvoir quitter le champ de bataille pour celui-ci en touchant un bord de table. Mais la masse de têtes de... Oh là là, mais il n'y a que des petites saloperies. Ok, bon. Le deuxième enjeu de cet épisode 2 va être pour l'Astar. Il va devoir nettoyer le terrain pour pouvoir avancer vers la cité ruche et donc on va mettre en place un compteur de nombre de morts chez les tyrannides et à partir du moment où celui-ci arrivera à 150, ça voudra dire que le prochain épisode se passera sur une autre partie de la planète. Et enfin, le dernier enjeu, il est pour notre général Alpha Grimaldus, c'est le fait que chaque figurine pour lui qui vont mourir ne pourront pas participer au prochain épisode. Phase de commandement, Qu'est-ce que t'as choisi comme unité pour serment de l'instant? Probablement le prince tyrannide. Il se retourne, Elbrecht, là, il est... Elbrecht, tu sais, dans le lore, Elbrecht, il parle comme ça. C'est vrai, hein. Elbrecht, il parle comme ça, à force de gueuler ses ordres, il a une voix un peu comme ça, en mode, Templars, recharge! Donc, Elbrecht, je pense qu'il va... Ouais, on va probablement un petit peu avancer.
Je pense qu'on va faire. Ouais, on va faire avancer celui-là. Je vais serment de l'instant. Faire sa phase de mouvement. Serment de l'instant, ça va partir là-dessus. J'ai juste une question pour toi. Insensible à 5 sur Grimaldus et sa squad. D'accord. Donc, faut savoir, les infiltrateurs vont se rapprocher un petit peu de cette zone. Ouais. Et tu sens qu'il s'est passé quelque chose de lourd à cet endroit-là. Quelque chose, en fait, où tu sens quand même que toi, dans ta petite aspirante de Space Marine, il y a eu un grand homme à cet endroit-là. Et donc, okay. Je vais te demander de te rapprocher un petit peu, justement, de ce socle. Et j'ai une question pour toi, est-ce que tu connais ce socle? Si tu es capable de me dire à qui il appartient... Léontus. Attends, à qui il appartient? Alors, à chaque fois que tu auras une unité à 3 pouces de lui, à ta phase de commandement, tu gagneras pas un, mais 2 PC. Ah non, c'est pas Léontus. Non, Léontus, il est sur un Chaos Knight, je crois. Et si jamais tu n'as pas la réponse dans 20 secondes, tu devras faire un test de co pour voir si tu arrives à contrôler la zone, mais tu auras moins 2 à cause du nuage de Spormine qu'on devine légèrement à la caméra. C'est pas Gulliman? Il te reste 10 secondes. Je vais dire Gilliman. Et c'est une bonne réponse. Oh, let's go. Donc, à partir de ta prochaine phase de co, si tu as une unité ami à côté, tu gagneras 2 PC et pas 1. C'est parti, fin de ta phase de mouvement. La fumée s'est un petit peu estompée. Tu devines un petit peu plus tout ce qu'il va y avoir sur la table. Et comme tu t'es rapproché des Spormines, je rappelle, les Spormines, on ne peut pas finir un jet d'advance à moins de 6 d'elle. Et à partir du moment où on rentre à 3, on va jeter un dé et faire quelques dégâts. Tu as décidé aussi d'envoyer des véhicules écraser des Spormines. Ouais, là-bas notamment. Là, on est resté loin, mais là, j'ai l'impulsor qui démine. La déneigeuse. Eh bien, écoute, voilà. on va faire les tests. Au niveau du séquencement, il m'avait prévenu que d'abord, il avance avec le véhicule, puis il débarquait pour pouvoir justement se rapprocher. Débarquer, avancer. Et donc, on va faire le séquencement. Cette Spormine va pouvoir potentiellement péter, ne fera des dégâts que sur le véhicule. Sur un 2+, c'est bon, je vais te faire une mortelle. Fume nos pénacis. Vas-y. Oh, l'empereur protège. Oh, mais non. L'empereur protège, c'est juste. Ensuite, on a celle-là, 2+. Oui, une mortelle. Si je l'avais tanké aussi, ça aurait été un scandale. Bah, il me reste 10 HP. Ok. Ensuite, on a celle-là à côté de ton magnifique et puissant Land Raider sur un 2+. C'est un 2 et ça ferait une mortelle. Finalement, paye la 6. Non. Eh bien, il me reste 15 HP. Ça va être long. On va enchaîner avec la phase de tir. Pour l'instant, il me semble que ça se voit. IRL, il y a un énorme fumage de Spormine. Donc, si jamais tu veux tirer, tu dois faire un test de commandement. Et si tu as moins 2, puisqu'il y a de la fumée et tu es dans le territoire des tyrannides, et si tu le rates, tu as moins 1 pour toucher. Le but, c'est que tu ailles au corps à corps. Ok. Ah oh, ça me va. Le plan me va très très bien. On passe à la phase de tir. Qui tu vas activer? Je vais activer déjà mes infiltrateurs. Ouais. Ça tombe bien, il y en a 2 qui sont devant. Ils regardent les 2 petites mines là. Moi, j'ai un commandement de 5 grâce à mon vœu de Black Templar qui va passer du coup à 7. Vas-y. Donc, 7 plus. Solide. Ça passe pour l'empereur. Heureusement que j'ai pris ce vœu. Hein. Ça aurait été compliqué sinon. Sur du 3+. Ah bah c'est magnifique, ça te fait 2. Force 4. Endurance 1. Ah, je crois que c'est sur du 2. Ça t'en fait 1. Pas okay. De PA. Pas de PA, j'ai le couvert sur un 6 puisque j'ai une sauvegarde à 7 qui passe à 6. Non. Et le deuxième Bolt Rifle, c'est parti sur du 3. Il a pas vu. Pas motivé. Trop de brouillard. Trop de brouillard et t'es pas motivé celui-là. On est parti donc, on va activer l'impulsor. On va envoyer un lance-grenade Fragstorm sur celle-ci, un autre sur celle-là. Et les 2 tirs de Multimelta dans la testicule géante. Test de quoi du coup? On est sur du 7+. Yes. Magnifique pour l'empereur. Premier lance-grenade sur la mine, des 6 tirs. Ce sera 3 tirs. Sur du 3+. Magnifique pour cette motivation. Je te rappelle que t'es à côté de ton copain, donc en fait là tu viens d'avoir tout soutenu un en plus. Et non, parce que ce n'est qu'au corps à corps. Oh. Les vœux de Black Templar, ce n'est qu'au corps à corps. Ça ne conserve pas la distance. Non, tout soutenu à distance, c'est l'autre armée. Ah. C'est les taux. C'est sur du 2+, force 4. Ça te fera 3 saves. Yes, ici, là je suis dans la zone de terrain, sur du 6. C'est un kill. Ça, c'est vraiment, c'est... Ça passe de tir, elle est excitante. J'adore détruire des ballons de baudruche qui traînent. C'est toi, je suis défoncé. Allez, le deuxième lance-grenade, des 6 tirs. Ce sera 3 tirs aussi, encore. Sur du 2, sur du 3+, pardon. Ça n'en fera qu'un seul. Sur du 2+, encore. Bah, ça te fait une save. Yes. Pas de couvert, cette là, fois. Là, je pas de couvert, donc... Magnifique. Et maintenant, les 2 tirs de Multimelta. Yes. Sur le Tyrannocyte, sur du 3+. Force 9. Endurance 9. Ouh, c'est un rhino, hein, ça se voit pas comme ça, mais c'est un rhino dessous. Ah, c'est... il a bien changé. Hein. Bien changé le rhino. T'es pas la taille du rhino. Sur du 4+. Eh bien, ça en fait une, PA-4, hein, monsieur. Écoute, j'ai pas de sauvegarde. Ok, très bien. Eh bien, du coup, ce sera des 6 dégâts. Vas-y. 3 dégâts. On active le gros papa sur lui. Test de commandement. Vas-y. Oh, il est pas motivé. Moins 1. Moins 1. Ça va être sur du 4+. C'est parti pour le lance-grenade. On est parti, des 6 tirs.
Ce sera 3 tirs. Décidément, les lance-grenades, ils sont abonnés aux 3 tirs. 4 plus. Ça en fait. Voilà. Voilà. Monsieur, on s'en fout du brouillard ici. On est guidé par la lumière de l'empereur. Ça, par l'empereur Dieu. Ça, c'est beau. C'est force 4, cependant. Donc. Endurance 9, sur du 5. C'est cassé. Eh bien, ce sera une save, PA 0. C'est parti pour une petite sauvegarde à 3. Non, il va perdre un point de vie de plus, il lui reste 4. Icarus Rocket Pod, des 3 tirs. Eh bien, ce sera 2 tirs. Ce sera sur du 4+, maintenant. Eh bien, ça en fait une, et c'est Anti-Fly 2+. Yes, ça vole ces petits rideaux. Eh oui, ça vole, c'est beau. Eh bien, ça te fait une save PA moins 1. Ok, c'est PA moins 1, sauvegarde à 3, qui passe à 4. Non, 2 dégâts. Oh, 2 dégâts flat. 2 dégâts flat directement. Il lui reste donc 3 points de vie. On est parti du coup, le macro plasma incinérateur. Tu surchauffes ou pas? On est Black Templar, évidemment qu'on surchauffe. Je sais pas, je te vois pas. Regarde, ça brille. Le plasma brille. On est parti, on surchauffe. Ce sera donc des 6 tirs plus 1. Oh, ce sera 6 tirs, monsieur. 6 tirs sur du 4+. Oh, il est énervé, ce garçon. Il est motivé, il est motivé. Tu joues pas les taux là. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On est parti du coup, c'est force 9. En endurance 9, 9. Sur du 4+. Et il est énervé. PA. Il est motivé. C'est PA moins 4, monsieur. Eh bien écoute, j'ai pas de sauvegarde. Peut-être bien mort là. On voit s'il explose. Non. Non, il explose pas. Et ça fait poup, le rhino. Et là, événement narratif, il lâche un sport. Il lâche des sports. Et on réactive la fumée. J'active maintenant du coup le Land Raider qui va envoyer ses lance-flammes dans les petits thermagans. Ouais. Ici. Et tout le reste qui va partir dans le prince ailé sur lequel il y a le serment de l'instant. Petit test de co. Petit test de co. Allez, 7 plus. Yes. Oh non. Enfin, pour les lance-flammes, on s'en fout. Mais pour le reste, voilà quoi. Mais j'ai serment de l'instant. Oui. C'était prévu que je le rate. C'était prévu. Du coup, on part sur les lance-flammes déjà. Ce sera 2d6 plus 6 sur donc les thermagantes ici. Ok. On est parti du coup, c'est force 6, donc sur du 2+, j'imagine. Eh bien, j'en rate 1. Et donc, tout ça en save PA moins 2. C'est parti. Là, j'ai 12 sauvegardes PA moins 2. Ma petite sauvegarde à 5, ici, comme il ignore le couvert, de toute façon, passe à 7. J'ai donc pas de sauvegarde. Par contre, je suis à côté ici du psychophage. Je vais donc avoir un insensible à 6. Là, c'est dégâts 2. On va pas se prendre la tête. Je vais faire ça x 2. Et ça fera le nombre de morts. C'est parti. Sur du 6. Ils sont où? Excuse-moi. C'est bon, il y a la face. Ah oui, non, Des fois, il se trompe quand il livre. Oui. Comme je n'ai réussi aucun, ça fait tout simplement 12 morts. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retirer tous ceux de l'arrière. Il va donc théoriquement, puisque avec le bombardement, ils étaient 20, on a retiré 2, ils étaient 18. Il en reste 6. Comme tu m'as tiré dessus et que c'est la fin de l'activation, même s'il reste les tirs sur lui, je vais pouvoir utiliser leur capacité de search, c'est celle de mon détachement qui fait qu'à partir du moment où on m'a tiré dessus à la fin de l'activation, je pouvais bouger de D6 et ça me permet aussi de rentrer à portée d'engagement. Là, Alpha s'est mis à plus de 6, mais c'est pas grave, je vais quand même pouvoir bouger. C'est parti, je vais bouger de 1. Vous le voyez pas, mais juste derrière. Pour vous rappeler donc aussi les enjeux de cette game, il doit arriver à 150 frags. Et le Tyrannocyte ne comptait quand même que pour l'un, ça fait que là, il vient de faire 12 morts, plus le Tyrannocyte, il est à 13 sur 150. Ok, on est parti du coup pour la suite. Des tirs du Land Raider Dreadnimmer, cette fois-ci qui va partir dans le Prince Ailé. 6 tirs de canon d'assaut jumelés. On est parti. C'est sur du 4. C'est sur du 4, mais reroll grâce au serment de l'instant. Reroll. Eh ben, ça en fait 4. C'est force 6. Endurance 9. C'est sur du 5+, mais je suis jumelé. Et en plus de ça, blessure dévastatrice. C'est bien ça. Jumelé. 3 sauvegardes à 2 du Prince. Hop, il prend un petit PV, il avait 10 PV, il en reste 9. Le missile tracker, le Hunter Killer missile sur du 2+, qui passe sur du 3+. Reroll. Oh. j'ai fait une série de petits P, genre, je me suis dit, oh non, quand même. Franchement, avec la fumée, on arrive. C'est force 14, donc ce sera sur du 3+. Combien? C'est du 3+, c'est PA moins 3, mais tu as le couvert. Ok, PA moins 3, ma sauvegarde à 2 passe normalement à 5. Finalement, comme j'ai le couvert, elle arrive à 4. J'avais aussi une invulnérable à 4 qui m'était donnée par l'esprit de la ruche, bien sûr. Sauvegarde à 4. Ça oh, tanque. C'est tanké. Multimelta, 2 tirs de multimelta sur du 4+. Reroll, serment de l'instant. Magnifique. Sur du 4+, force 9. Eh ben non, dommage. Les tirs de Stormbolter, ce sera 2 tirs. Magnifique. Ce sera force 4, donc sur du 6. Et bam. Rien du tout. Voilà. J'active du coup l'impulsor qui va tirer sur les petits thermagantes qui se rapprochent de moi et qui m'inquiètent un petit peu. Petit test de co. Petit test de co. Allez. Allez, pour l'empereur. C'est bon. Ça passe. Solide. On y est.
2d6 plus 2 tirs en termes de lance-grenade. Puisque c'est déflagration, ils sont 6 dans l'unité. Par tranche de au-dessus de 5, ils rajoutent un tir. Donc pour les deux lance-grenades, ça le boost. Et bien ce sera 5, 8 plus. Bah ça fait 10 tirs. C'est parti sur du 3+. Hop. Et hop. Force 4. Endurance 3. Sur du 3+. Ouf. Magnifique, c'est un full, monsieur. C'est parti pour 6 sauvegardes. J'ai une sauvegarde de base à 5. Ici, je suis à couvert parce qu'il ne me voit pas intégralement. Ça veut dire que ma sauvegarde à 5 passe à 4. Écoute, ça va me faire 2 morts supplémentaires. Les deux tirs de Multimelta sur du 3+. Ça passe. Force 9 sur du 2+. Ça te fait 2 save PA moins 4. Donc là... Je vais regarder les règles, mais je crois qu'ils sont morts. Je crois qu'ils sont morts. Ça en fait 2 autres encore. Est-ce que t'as d'autres tirs? Non, j'ai pas d'autres tirs. D'accord. Donc là, on a déjà prémesuré. Si j'arrive à faire un jet donc, de surge pour me rapprocher de toi 2-5, j'arriverai à porter d'engagement du véhicule. Du Land Raider. Et donc, tu pourras plus lui retirer dessus. C'est parti. Écoute, je vais bouger seulement 2-3. Donc, je vais me rapprocher de toi. Yep. Allez, c'est parti. Le Vindicator qui va tout envoyer sur le Tyrannocyte. D6 plus 3 tirs. Le Demolisher Cannon. Ouh, oh mais non. Ah, déjà, on fait le test de commandement. J'ai oublié de le faire. Et ben, ce sera moins. Il touchera moins bien. Mais bon, au moins il y a beaucoup de tirs, c'est ça qui est cool. Donc, j'ai l'impression que c'est pas guidé par quelque chose de plus grand que lui. Exactement. Sa foi peut-être. Peut-être bien un mec en armure dorée, un peu grand, avec des cheveux longs, noirs. Peut-être, peut-être bien. On est parti, 9 tirs sur le Tyrannocyte, sur les 4+. Hop, hop, hop. C'est plutôt stat, c'est au-dessus un petit peu de la stat, peut-être même. C'est parti, c'est force 14 sur du 3+. Yes, endurance 9. Ça t'en fait 3, PA moins 3. Ok, PA moins 3, ma sauvegarde à 3 passe à 6, je suis à couvert, ça passe à 5. Oh ! Une seule ! D6 dégâts, 5 dégâts. Et, écoute, pareil, le bombardement lui en avait fait perdre 2, il était donc à 8, il vient de perdre 5 points de vie, il est à 3. On est parti, on va envoyer du coup l'impulsor. Est-ce qu'il peut tirer sans malus de précision ? Oui ! Mais solide, dis donc ! Magnifique ! Les deux Meltas qui vont partir dans le Tyrannocyte et les deux lance-grenades qui vont partir dans les petits Ormagantes. Yes ! C'est parti, les deux tirs de Melta sur du 3+. Voilà. Maintenant, les lance-grenades, 2d6 tirs plus 4. Ouais. Non, plus 8, puisqu'il y a 2 lance-grenades. Oui, ça. Heureusement qu'il y a le bonus de blast. Ça va être long. Ok, et donc plus 8. C'est sur du 3+. Hop. Maintenant, c'est force 4. Endurance 3. 3+ encore. Pas de PA, sauvegarde à 5+. Ouf, eh bien écoute, ça va faire 2, 4, 5 morts. Ils étaient 20, il va donc m'en rester 15. Maintenant, je vais activer les squads d'intercesseurs d'assaut avec le Marshal. On va envoyer tous les tirs dans la petite bestiole. Yes. Ça me fait peur, cette bestiole. Donc, ce petit mec, il est agent solitaire, on ne peut pas lui tirer dessus à plus de 12. On va vérifier modèle par modèle. Et après, il a quoi qu'il arrive la discrétion qui fait que même, qui fait qu'il aura moins un pour être touché, quoi qu'il arrive. On est parti du coup, le plasma et les deux, le 2 heavy bolter, ainsi que le combi weapon. Le combi weapon, on fera après. Sur... ta bestiole. Yes, donc c'est parti pour le paradigme de Mortrex. Ils sont motivés. Ils sont motivés. Solide, non, ouais. C'est parti sur du 3+. Ok, alors le plasma... oh, j'overcharge. Je suis un Black Templar. On fait charger le truc à fond. C'est force 8. Endurance 5. Oh, quand même. Hein. Attends. Sur du 3+. Oh, boum. Et le Heavy Bolter, c'est force 4, donc sur du 5+. Ça passe pas. Ici, je n'ai pas de sauvegarde parce que j'ai une sauvegarde de base à 4. C'est dégâts. C'est dégâts 2. Ok, et eh bien écoute, il a 5 points de vie au total, il va lui en rester 3. Est-ce que je me crame la tronche? C'est important. Mais c'est parce que tu utilises mes détiralis. Aïe, 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 est-ce que j'utilise un CP pour reroll ça? Ouais, je vais utiliser un CP pour reroll parce que je pense que, bon, c'est quand même pénible. On est parti, on relance la surchauffe. Il reprend un détiranide. Non, mais j'arrêterai. Le combi weapon du Marshal, qu'on n'a pas fait tirer, sur du 3+. Bon, on fait comme ça. Anti infanterie 4+. Eh ben non. Et alors ça dit quoi cette première phase de tir? Pas impressionné. Pas impressionné du tout, l'Empereur protège. Bon par contre, on arrête de faire chauffer les plasmas, les gars. Le matos n'a pas été checké lors de la dernière croisade, ça se passe pas bien là. C'est des tyrannites ça. Je crois bien, ouais. Début de la meilleure phase du jeu, bien sûr, depuis que je joue Black Templar. La phase de charge du coup, les squads d'intercesseurs avec le malheureux qui... Sergent! Il te manque pas un modèle? Sergent! Le mec il a le bras arraché. C'est parti. Sur du 3. C'est bon, passe. Ils y sont. On est sur une belle petite charge. Charge for the chapter, for the legion. Maintenant, la charge de croiser Primaris au milieu, ce sera sur un 7+. Et j'ai le droit de la reroll gratuitement, c'est la règle des croisés Primaris. Mais c'est quoi ce... Il a envie... For the Templars, for the legion. Je vais activer donc les squads de croisés Primaris. Avec donc, pour commencer, le
Mister frère d'épée, là, le maître de stage. Yes. Le maître de stage. On est parti sur du 3+, l'épée énergétique, full reroll grâce à la règle de Grimaldus. Ça est full, force 5. Endurance 3. Sur du 3+. Eh bien, ça te fait 3 save PA moins 2. Bon, bah, 3 fils, c'est dégâts combien? C'est dégâts 1. Ok, donc 3 insensibles à 6 grâce au psychophage. J'en sauve 2, ça fait qu'un petit mort. 12 patates de Power Fist, full reroll, sur du 3+. Ça fait... Heureusement que t'es pas à côté de... Dommage que j'ai pas le sustain, hein. Ça aurait été bien d'avoir le sustain là quand même, mais bon, c'est pas grave. Ok. C'est un full. C'est un full. Maintenant, je suis force 8, je crois que c'est sur du 2. Il faut vérifier. Mais à moins 2, j'ai pas de sauvegarde, je vais donc faire tout ça en insensible à douleur à 6, et les 6, je les relancerai. Il faut donc du double 6. Ça fait 3. Ça fait donc 11 morts. En fait, pour info, il reste 2 vivants et t'as pas encore activé la saturation. Ils sont tous là, les mecs, avec les épées tronçonnées, ils sont trop chauds. Écoute, donc bah, on va dire qu'on va pas jeter les 60 dés et on va tout simplement retirer les 2 autres. Ça va me permettre, en fait, d'utiliser un stratagème de cette flotte ruche. Sur mes 4 PC, j'en ai utilisé 2 et je vais pouvoir faire revenir une unité de l'essaim infini en renfort stratégique qui arrivera donc à ma prochaine phase de mouvement. Allez, maintenant, on va activer les squads des malheureux. Leur sergent leur manque grandement. Il est là dans la terre. On est parti, du coup, les patates du capitaine. On va utiliser Finest Hour, je sais plus le nom. Enfin bref, son petit buff qui lui permet d'avoir blessure dévastatrice et plus 3 attaques. Ok. Bon, blessure dévastatrice sera pas très utile, mais... En fait, on veut envoyer un max d'attaques avant de mourir. C'est l'objectif. C'est parti, ce sera sur du 2+. Hop. Voilà. Et maintenant, on est sur du force 5, donc sur du 3+. 2 blessures dévastatrices, donc 2 morts plus tout ça en PA-2. D'accord, mais écoute, ça va faire 2, 4, 6, 7 morts. 7 gargouilles, motiver le capitaine. On est parti avec les épées tronçonneuses de ses petits potes juste derrière sur du 3+. Tous ces petits 6 que je vois servir à rien. Dis donc, ils sont énervés. C'est bon, Black Templar de base. Force 4 sur du 3+, reroll sur les objectifs, la blesse. T'es heureux ou pas? J'adore. On pourrait dire que la table est un objectif. C'est ça. Tu as tout ça en save, PA moins 1. Eh bien écoute, ça va me faire tout ça de mort. Donc ils avaient eu 7 morts, ça fait 8, 10, 12, 14, 16, 18. À mon tour. Bon, à mon tour maintenant. J'ai essayé d'être viril, mais en fait, non. J'ai 2 petites gargouilles qui vont donc taper dans ces petits mecs ici. C'est parti pour 2 attaques sur du 4. Une qui passe. C'est force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Oh! 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 Sauvegarde à 3. Oh, c'est donc solide pour l'empereur. On est parti ici, à moins de taper, j'en ai malheureusement que 4 qui vont pouvoir taper. Ils ont 3 attaques par bonhomme, ça fait donc 3 x 4, 12 attaques sur du 4. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Et écoute, c'est ça pas va mal. Faire 3 PA moins 1. 3 save PA moins 1, eh bien je vais tanker ça sur méga en armure, donc ce serait sauvegarde à 4. Eh bien c'est full raté, combien de dégâts, hein? Oui. Fil nous peine à 5. Eh bien tu m'en tues, hein? Oh! Eh! C'est mon premier mort. L'honneur est sauf. Et ben voilà, c'est ça y est, la cité d'Ivortus a été souillée par le sang des Black Templars. Non, mais t'inquiète, on s'est tué tout seul avant. Hein. On sait pas par quel bout tenir le plasma pistol. Le premier mort de la game, il est tout seul, il s'est suicidé. C'est ça, il a pris le plasma. Alors, moi, on l'apprendra jamais. J'ai horreur des araignées. Je peux pas. Les orques, ok. Les Eldar, ok. Les taux, ok. Les araignées, je peux pas. Je peux pas. Ça, c'est con que j'ai pas tout reçu. Fin du tour 1. Oh! Par rapport à moi, faut que tu... Donc, fin de ton tour 1, on est à 58 points de vie faits sur les tyrannides, en tout cas 58 figurines retirées, plus un tyrannocyte. On est une quoi? Une figurine, bien sûr. Une figurine, bien sûr. Tu es à 59 sur les 150 que tu dois obtenir pour pouvoir passer à la prochaine vidéo et à la prochaine table. C'est parti, début de mon tour 1. Alpha passe de 0 à 1 point de co. Moi, j'ai le Swarmlord. Je passe, je vous rappelle que j'en avais 4. J'en ai claqué 2 pour faire amener un pack qui va arriver à la fin de ma prochaine phase de mouvement. Et comme j'ai le Swarmlord, je vais pas en gagner 1. Je vais en gagner 2. Je vais donc repasser à 4. Phase de mouvement, je vais essayer de mettre beaucoup de ressources au corps à corps sur cette unité puisqu'il est venu me bloquer et je sais qu'il a un petit PC qui m'empêche potentiellement de désengager. De toute façon, j'allais pas le faire. J'ai un prince ici sur qui il a tiré, qui a pris des dégâts à cause justement d'une petite météorite qui est arrivée. Je sais pas ce que c'est. On a entendu un gros bruit avec un avion.
et après on s'est pris de la pluie. Ne te moque pas de l'Eternal Crusader. C'était des tirs de canons magnifiques qui ont vu la gloire de la croisade de l'empereur. C'est des canons qualitatifs. Bon, par contre, ils ont juste raté le tir. T'as eu de la chance. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un maximum de ressources ici et en fait, de ce côté-là de la table, je pense que je vais même reculer un petit peu commencer à forcer à sortir de ces véhicules ou en tout cas à s'exposer pour la contrecharge. Fin de la phase de mouvement. Quelques petites choses à noter. Là-bas, je me suis désengagé et Alpha n'a pas tenté de le faire pour un PC. Il garde ses ressources pour pouvoir faire d'autres choses. Le pack que tu m'as détruit, il est revenu ici sur mon bord de table avec 20 figurines. Et le pack de gargouilles, finalement, là-bas, je vais m'en servir pour un petit peu move block, c'est-à-dire tirer, rebouger de 6 et potentiellement, en tout cas, te fermer cette partie-là de la table pour te forcer à aller dans le petit bouchon, dans la mêlée. On va commencer par le Rhinocyte pour la phase de tir qui va donc tirer dans cette escouade ici. On va commencer donc par 5 tirs qui vont toucher sur du 4. Ça en fait 1. Je suis force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Ça blesse. Et c'est PA moins 1 pour 2 dégâts. PA moins 1, sauvegarde à 4. C'est pas tank. C'est parce que c'est un détir à miel. 2 dégâts ? Ouais. 2 fils no pain à 6. Eh ben non, 1 mort. Ouh. Celle-là, parce qu'elle est féminine, ça va être la même chose. Yep. 4 plus. Ouh. Elle est beaucoup plus énervée. Ah ouais. Hein. Sur du 3+, écoute, ça t'en fait 3. PA moins 1, dégâts 2. Eh bien, sauvegarde à 4. Et j'en ai fait qu'une seule. Sphinopène à 6. Oh. Un PV. Sphinopène à 6. Eh ben non. Il est mort. Deuxième mort. Boop. Boop. On a lui qui va faire ses D6+3 tirs directement dans l'impulsor ici. Ça fera 4 tirs qui vont toucher. First time. À 3. Pas de test de quoi faire, tout ça, je suis chez moi. C'est vrai. Ah. Et derrière, je suis force 8, t'es endurance du 9. Sur du 5. Ça en fait une PA moins 3. Vulnérable à 5. Elle est belle. C'est tanké. On va faire la même chose avec son copain, sauf que lui, là, avec son petit folle. Il va tirer dans le Land Raider. J'ai fait exprès d'être pile poil à 16 de lui, parce que moi aussi, j'ai cette contrainte-là. C'est parti pour D6+3. Ça fera 6, donc 6 et 3, 9. On est donc sur 9 tirs qui vont toucher à 3. Il est énervé, dis donc. Pas mal. Par contre, je suis toujours force 8, tu as endurance 12, c'est sur du 5. Écoute, moi je te blesse qu'avec des 6 de toute façon. Ça te fait 3 sauvegardes PA moins 3, dégâts flat 3. 3 sauvegardes PA moins 3, je suis à couvert, donc PA moins 2, ma sauvegarde à 2, passe à 4. 3 save, 4 plus. Oh, fait café. Tanké. Écoute, 3 petits PV. 3 PV, et bien il me reste 12 points de vie. Il y a Elbrecht à l'intérieur ici. Ça a entendu un truc. Il y a la clim qui marche plus là. On a ce Malceptor qui va faire exactement la même chose, sauf que lui il a un petit peu moins de tirs. Il va donc tout simplement faire D6+3 tirs. Ouf, 9 tirs. T'es sûr qu'il a moins de tirs? Qui touche à 3+. Par contre, tu forces 10, ce qui ne change absolument rien. Eh ben non, sur du 5+. Excuse-moi, on est chez moi, je vais inventer une nouvelle règle, je peux additionner les dés. Nouvelle règle. Juste ça à la blesse quand je suis énervé. Écoute, on est parti avec les gargouilles, je vais tout simplement mettre tout dans les petits. Ces infiltrators. Infiltrators, ils ont une finopène à 6. Faut vraiment bien filtrer. Hein. Ils ont une finopène à 6 qui sert à rien du coup, puisqu'ils l'ont déjà. Écoute, c'est parti. C'est sur du 4 pour toucher. Oula. Ils sont force 5 au tir, c'est sur du 3. Allez, c'est parti. 9 sauvegardes à 3+. Oh. Finopène à 6. Poup. On passe à la phase de combat, on va commencer tout simplement la petite charge ici. On va commencer donc par le parasite qui va charger cette petite escouade dans l'optique de pondre quelque chose en toi. Ouf, non. Hop. Je crois qu'ils y sont. C'est bon, lui, il y est. Je crois qu'il y est. Ensuite... Tu peux même aller derrière moi. Oui, mais je vais le faire, comme ça tu vas... Je vais faire pondre par ailleurs. Oh non. Oh non, pas par là. Oh non. Oni-chan. Pas par là, pitié. Ensuite, on va le respect. On va mettre pas cette petite charge. Et d'ailleurs, on va faire la même chose avec lui qui va faire une double charge, par contre, entre ces deux unités. Ok. Oh, je vois aussi, je sais faire des charges à 12. C'est beau. C'est beau. Oh la vache, par contre, il est tellement énorme. C'est compliqué pour socler. Ça passe. C'est parti, le prince, il va charger. Une charge auto, mais si je fais une grosse charge, je passerai de l'autre côté histoire de me rapprocher de toi parce que j'aime le contact. Tu aimes important. Tu aimes te battre? Bah non, je sais. Oui. Ensuite, on a son copain qui va faire la même chose de ce côté-là des squads. Facile. Il va aller vers ce mec qui tient un bâton là. Comment ça? Tu veux tuer le grand Merek Grimaldus? Ouf.
Le grand, le héroïque, le héros de Eldritch. Je pensais que c'était un random. C'est pas un random du tout. La dernière fois que je l'ai joué, il a buté deux custodes d'un coup comme ça là. Le respecte là. Comme ça avec son Crozus ? Quoi, avec son bong stick. On appelle ça le bong stick. C'est parti, phase de combat, on va commencer tout simplement ici. Je vais mettre toutes ces attaques dans le véhicule. Donc 10 attaques sur du 3+. Ok. On m'appelle Statman. Statman. Mais pep. Force 10, endurance 9. Endurance 3 sur les 3. Oh, c'est presque un full. C'est pas mal. Moins 2, 3, donc sauvegarde, bah, un vue à 5, hein, classique. Grâce au dôme ou grâce à grâce ton armure normal. Très solide. Normal. Non, c'est armure très solide et dôme. Les deux se relaient. Ils okay. se relaient, on va voir s'ils se relaient bien. Eh ben, pas trop. Combien de dégâts à chaque fois Dégâts 3. Dégâts 3, 3, 6, 8, 1. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Ah non. Non, dommage. Dommage. Oui. Ah, on respire. Lui reviendra pas. On va passer au parasite qui va te parasiter. Donc ça va être parti pour 6 attaques qui vont toucher. Y'a mes tes connasses. Celle-là, elle touche pas. Je suis force 5, tu es endurance 4 parce que tu es un faible humain fait de chair. Un faible surhumain. C'est vrai. Mais fait de très grosse chair. Oui. C'est parti, sur 3+. J'aurais aimé que tu fasses un full raté là. C'est l'autre que t'as envie que je rate. Là, je suis la porte à tendrir. Fais attention, je suis PA-1. PA-1, bah sauvegarde à 4. L'empereur protège pas mal. Combien de dégâts? Dégâts 1. Eh bah, Finopen à 5. 6, pardon. Eh bah non. 1 PV. Yes. Il m'a attendri. Je stabilise. Et c'est maintenant que je vais pondre. Je vais donc pouvoir faire une extra attaque qui va toucher sur du 2. J'aurais tant aimé. Je suis blesse, force 3. Mais anti-infanterie 3+. Allez. Ça n'est que de la chair. 3+. Ah yes. J'ai claqué un PC. Ah, il claque un PC. C'est 3 plutôt. 3+. Non, oh oui. je veux dire, j'ai quand même sorti ma tentacule. Là, j'aimerais qu'on mette le clip. Ne me touchez pas. Ma personne est sacrée. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas, monsieur le parasite. Tu te prives de mon plaisir. On passe de ce côté-là du gros corps à corps. On garde le dernier pour la fin, tout simplement ici. Dis pas. J'utilise armure du mépris. Donc il va pouvoir diminuer la pénétration d'armure de 1 de mes attaques. On va donc commencer par lui et ses 10 patates qui touchent à 3. Oh putain. T'as pas de reroll des 1 ou des trucs mais grâce en à fait, des... En fait c'est pas moi qui rate, c'est lui qui excuse, ok ça, oui c'est ça, ils sont 13. Ils sont J'ai rien du tout quoi. T'as rien. Je suis force 10, tu es endurance 4 parce que tu es un faible humain, même si tu bouges très vite. Sur du 2. Et ça te fait 4 sauvegardes, PA-2 qui devient PA-1, dégâts. Okay. 3. Donc sauvegarde à 4. Oh, oh non les gars. Non, dans Phil Nopel à 5 du coup. Alors. C'est beaucoup quand même. Hein. Il n'est pas là pour les objectifs lui. Hein. Non. pour pas grand chose d'autre que bouffer je crois. Allez c'est parti, première Phil Nopel à 5. Oh. Oh joli. Eh ben il reste un HP. Ouais. Deuxième Phil Nopel à 5. Joli. Oh dommage mais il meurt. Ok, donc ça me fait un mort. Oh dommage. Bah 2 morts. Peut-il le faire? Ah dommage. Eh ben, ça me fait 3 morts. C'est parti, on va passer ici. Je vais passer de 3 à 2 points de commandement. Et je vais utiliser le stratagème de duel épique. C'est-à-dire que je vais gagner la règle précision. Et sache-le, je vais te proposer un duel tout simplement avec Grimaldus. Tu vas avoir plusieurs choix. Soit tu peux décider de l'accepter, les gens se mettent autour et ils dansent. Et ils font, ah, il se bat bien, dis donc, ce petit alpha Grimaldus. Mais tu ne pourras pas le taper. Ancienne règle des duels, en fait, de l'ancienne édition de Warhammer. Okay. Ou alors, tu peux refuser le duel, auquel cas Grimaldus se met en retrait. Donc, c'est les autres qui vont pouvoir le taper, et donc je pourrais pas cibler Grimaldus, en fait, tout simplement, ça sera normal. Mais tu seras ébranlé jusqu'à la fin de ta vie avec cette unité, parce que tu n'as pas d'honneur. Tu dis que j'ai plusieurs choix. Je n'ai qu'un seul choix. J'aime ça, putain. J'ai qu'un seul choix. J'aime ce jeu, putain. Holy Emperor. On accepte. Ok, donc écoute, je vais gagner précision, je me suis bien retiré mon petit PC. Et je vais commencer par tout simplement 6 attaques. Et je vais te taper avec ce qu'on appelle un bioknout. C'est une ancienne arme. Voilà, c'est, d'accord, un bioknout. C'est lâche hip en anglais, mais je trouve ça bioknout beaucoup plus stylé. Très bien, un bioknout. C'est parti, donc 6 patates qui vont précision dans Grimaldus. Okay. Sur du 2. Y a pas de pas mal. Et derrière, je vais être force 9, mais jumelé. Force 9, eh ben, ce sera sur du 2+, jumelé. On est dans la stabilité. Hein. C'est pas mal. Tyrannide. Oh, on est dans la stabilité, tyrannide. Stabilité, tyrannide. Donc là, fais attention, c'est à moins 2 dégâts flat 3. 5 t'as le droit de faire une par une, t'as le droit de parler pendant, t'as le droit de faire ce que tu veux. 5 CV à 4. Tu sais que Merek Grimaldus est un chapelain réclusiarque. C'est le héros de Eldritch. Il a protégé la planète d'Armageddon. Il me fait chier.
Et c'est probablement un des Space Marines les plus badass de son temps. Et c'est le seul survivant des Black Templars sur Armageddon. Et il en a rien à foutre de tes attaques! Oh! Oh, mais c'est pas un homme! Il me reste 4 petites attaques! Oh, mais avec Grimaldus, mon gars! Avec mes écrapinces sur du 2. Et derrière, sur Force 7, Endurance 4, sur du 3. Écoute, ça t'en fait 2, PA-2, dégâts 2. Il a plus de 4 PV. PA-2, 2 save. Ouais. Sauvegarde à 4. On a une qui passe combien de dégâts? 2. Film no pain à 5. Oh putain. Tu m'as mis un point de vie. Ouais, mais maintenant c'est l'odeur du sang, fais très attention. Il peut saigner. J'ai plus que la répartie. François. Ça va, c'est ainsi, j'ai plus que la répartie. Grimaldus, il lui reste du coup 3 PV. Il a que 4 PV. Si je l'avais su avant, je l'aurais eu. C'était sûr. Mais il t'a fait peur. Ah, il t'a fait peur. C'est toi qui m'as fait peur. Tu as fait un monologue en me regardant dans le blanc des yeux, j'ai eu peur. Votre attaque est notée et ignorée. Le Marshal. Oh non. Il l'a senti en fait. Tu m'as dit quoi là? Il m'a léché. Tu sais, il a fait le. Il y a un truc qui m'a léché le dos là. C'est dégueulasse. On est parti sur du 2 plus 6 patates. Boum. Maintenant, c'est force 5. Tu es endurant 5, c'est ça? Ouais. On est parti sur du 4 plus. Eh ben, ça te fait 2 saves à PA, moins 2 pour 2 dégâts. C'est parti les amis, on a 2 sauvegardes à 6, il faut au moins que j'en réussisse une pour pouvoir tanker. Je vais faire appel à l'esprit de la ruche. C'est parti, sauvegarde à 6. Non. Non. Oh, est-ce que tu sais périr? Il me reste 2 PC. On est là pour le beau jeu? Oui. Oh, yes, je vais pouvoir tenter un nouveau truc après. Aïe, 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 ok. On est parti du coup, on va avoir 3 points énergétiques qui vont taper sur les Gaunt. C'est pas idéal, mais j'ai quand même envie de réduire leur masse là. Et bon, ils sont positionnés comme ça, donc on y va comme ça. C'est parti, 9 patates des Marines avec des points. Sur du 3+, reroll, parce que merci Grimaldus. Connais-tu Grimaldus? Je sais pas, mais il tombe bien. Ah, il est bien relou. On est parti, force 8, je crois que c'est sur du 2. Oui. Je pense. Oh, bah c'est un full. Bah full PA moins 2, pour 2 dégâts chacun. Écoute, bah ça va être mort à chaque fois. Ça fait 8. Ça fait 8 morts, on rappelle que t'étais à 59 sur ton compteur de kill. Tu passes donc à 67. L'épée tronçonneuse du petit stagiaire, très motivé. Sur du 3+, full reroll. Reroll. Ok. Et maintenant c'est force 5 sur du 3+. Bah, ça t'en fait 2, PA moins 1. Sauvegarde à 6. Sauvegarde à 5 qui passe à 6. Un qui vit. Et... un plus de mort. Voilà. Bah maintenant, tout le reste de l'unité dans le Screamer Killer. Allez. Alors, on est parti. Premier point énergétique qui va partir. Donc, j'en ai 4 au total. Donc, j'ai le 4e ici qui part dans le Screamer Killer. 3+, full reroll. Merci Grimaldus. Hop, et force 8, donc en du 9. Ouais. Donc, sur du 5+. Et il y en a un PA-2 sur le Screamer Killer. Sauvegarde 2 qui passe à 4. Ça tank. Le frère d'épée, le maître de stage, comme j'aime à l'appeler, du 3+. Reroll. C'est plutôt stat. Force 5, sur du 5. Eh ben, il y en a une PA-2, monsieur. Ok, 4+. Non. Eh ben, un dégât. Ok, il nous reste 9. C'est parti. L'épée tronçonneuse qui vrombit dans les squads de croisés primaris. Je vais vérifier qu'il m'a pas, qu'il essaye pas de me la mettre et je vais vérifier le nombre de dés. Il y a juste un petit père là. Bon, voilà, on fait taper par rapport aux règles de duel. Comme on a fait le duel, bien sûr. En gros, vous imaginez que c'était dans les anciennes éditions. En fait, il y a eu 2 versions des duels. La première, on téléportait carrément les personnages en mode je te duelais alors que t'étais à l'autre bout, on te téléportait. Et donc, on a mis pour la cinématographie ici Grimaldus en duel avec le prince. Et dans une autre version, en fait, en gros, les gens à l'Odyssée, il y avait des petits bonus au commandement et ainsi de suite. Là, on va pas le faire. T'as juste pu diriger toutes tes attaques vers autre chose que le prince. C'est ça. Du coup, on est parti. Première vague d'épée tronçonneuse sur du 3+. Hop. Hop. J'aurais bien aimé avoir touche fatale. Allez, faut ramener ton pote. Et du coup, reroll. Grâce à Grim... Oh, bah, c'est un fou, la vache. La stat est plutôt haute, là. On est parti. Maintenant, je suis force 4, cependant, donc ce sera sur du 6. Ouais. Allez, on cherche des 6. Bah, il y en a quelques-uns. C'est joli, ça. Allez, parti. Deuxième vague. Sur du 3+. Hop. Je pense que stat, on le tue pas. Hop, hop. Ok. On en drop juste 2. Mais pas trop mal. Hop. Allez, maintenant, encore sur du 6. Bah, ça t'en fera 9 au total. Ok, 9 sauvegardes ici qui vont passer de 2 à 3+, c'est bien ça, PA-1? Ouais, PA-1. Écoute, ça va m'en faire 3. Et je suis à portée ici du psychophage, Feel No Pain à 6.
3 points de vie. Hop, il lui reste 6. Grimaldus, du coup, le Crozius d'artificeur sur du 2+. Full reroll, bah c'est bon, on est bon. Maintenant, je suis force 6. Endurance 9. Sur du 5. Eh ben, il y en a une. PA-2, monsieur. PA-2, ma sauvegarde à 2 passe à 4. Ça sera dégâts combien? 2. Ça tank. Voilà. Magnifique. Je ressens un petit peu ce que tu as ressenti tout à l'heure. Quoi. À petite échelle. Oui, et à la mienne. Ah oui, j'ai tout tanké. J'ai tanké le duel. Il a tout tanké le duel, c'est fou. Ce duel était incroyable. L'empereur est plutôt satisfait, on est à 69 kills. On va commencer ce tour 2, on a encore pas mal de Xenos à purger. Là, il y a beaucoup de Xenos à purger. Je vais gagner un point de commandement supplémentaire grâce à la tombe. On ne sait pas pourquoi Gulliman est mort là. C'est celle de 30k. Ah oui, carrément. Ah oui, wow, le fleuve de fou. Incroyable. C'est okay. Un métier, tu te... Ouais, non, c'est ce que tu veux, je te parle un peu de Grimaldus. Avec grand plaisir. J'adore quand on parle de Grimaldus. Non, bah voilà, écoutez, on va essayer de se dépatouiller ici. Ça n'a pas été évident, mais on va voir ce qu'on peut faire. Sur ce tour-là, je vais avoir mes petits œufs de Pâques. C'était il n'y a pas très longtemps. Je vais avoir deux drop pods qui arrivent avec un rempli de scouts. Ça, c'est pas super. Moi, j'ai fou. Et après, non. Et d'Infernus Mines. Ça peut être sympa. Ça peut faire des petites blagues un petit peu dans les packs, là, pour faire monter le kill count. Donc, on va voir ça qui va arriver. J'ai une Assassin Calidus aussi qui va pouvoir me marquer des secondaires. Non, du coup, qui va juste cramer quelqu'un. Et je vais aussi avoir des Inceptors qui peuvent arriver à 3 pouces. Ils ont des petits plasmas. Il y a l'esprit de la ruche, ils vont donner. Attends, excuse-moi, il faut que j'invente une règle sur le fleuve qui me protège mon arrière. Okay. Il repousse de 12 pouces. C'est vachement important parce qu'en fait, en gros, tu vois pas, mais il y a plein de spores. C'est avant tout. C'est comme des abeilles. Ah, okay. Des abeilles. Okay, les ouais. Abeilles, tu sais que si un jour il y a plus d'abeilles, l'humanité va se terminer. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu as une abeille. Bon. J'avais une petite abeille. C'est plus un frelon qu'une abeille. Hein. C'est pas faux. On n'aime pas les frelons. Tout à l'heure, il y a un truc comme As qui rentre au studio. On était tous les deux en PNS contre le mur. Alors, correction, je l'étais, lui non. C'est la famille. C'est la famille. Il l'a pas tué. On est assez nombreux. Il y a pas besoin d'enfort, pas besoin de deep strike, on est bon. C'est vrai. On est parti, bah écoute, on va tenter les Inceptors là. On est en plein milieu de la phase de mouvement et mon capitaine est actuellement dans une situation un petit peu critique. Donc, non. Je vais le faire battre en retraite. Oui, c'est le seul Black Templar. Tu sais quoi? Non, je suis Black Templar, il bat pas en retraite, il va rester là, il va survivre, il va tanker tout et il va s'activer, il va te faire mal. Fin de la phase de mouvement, sont arrivés donc des renforts, les deux petits drop pods ici. Putain, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus ces petits gars. Sont arrivés, les Infernus Marines sortent. Et puis là, on a 5 scouts. C'était un petit peu la bande problématique. Les mecs étaient dans le Eternal Crusader et on leur a dit les gars vous avez pas le droit d'utiliser le drop pod. C'est à midi. Ils ont fait regarde par là. Et ils ont pris le drop pod tout seul. Bien sûr qu'ils ont le droit de le faire. On a un narratif, on a tous les droits. D'ailleurs, on a même le droit d'être à 9 alors qu'au niveau effet d'optique j'ai l'impression qu'on est à moins. Mais je pense que c'est un effet d'optique. Non, on est à 12 là. On est à 12. T'es à moins de 12 pour tirer au lance-flamme. Voilà, c'est ça. Je suis à moins de 12 pour tirer au lance-flamme. Quelle est la cible de ton serment de l'instant? J'ai oublié de te poser la question. Une fois n'est pas coutume, je vais faire un truc de lâche. Allez. Sur un 4 plus, c'est lui. Si c'est pas un 4 plus, c'est sur le Swarmlord. 4 plus sur lui. C'est les dés qui ont parlé. C'est pas moi qui brise le truc. Je vais prendre mon maître parce que je suis pas sûr qu'on soit à 2-9 là. Ouais. Du coup, dans ma phase de commandement, j'ai choisi le pouvoir de Grimaldus qui lui permet de advance et charge, mais aussi de désengager et charger. Et j'ai choisi. On est en duel, non? Oui, non, mais là, on va refaire le duel. On va changer le. Il y a Albrecht qui arrive, il tag team, tu sais. Il met un high five dans la main. Il rentre dans la cage? Il rentre dans la cage. Ok, mais alors là, je te dis tout de suite, enfin, je me contrôle plus. Okay. Je suis un mec comme ça, là. Albrecht, tu sais pourquoi il a une armure dorée? Parce qu'il veut qu'on le voit. Et le pire, c'est que c'est fluff. Je crois que c'est ça dans le lore. Je demande quelqu'un qui a les cheveux dorés. Il en a rien à foutre. Donc là, on a désengagé et grâce à ce pouvoir en phase de commandement. Et le serment de l'instant sera sur monsieur. On va envoyer les tirs du lieutenant combi bolter. Hop, c'est parti, le combi weapon. Sur qui? Eh ben, sur les petits pères ici. Yes, ce sera deux tirs. Le nuage de sport, c'est complètement enlevé. Tu peux donc tirer maintenant sans aucun malus. Magnifique. Alors par contre, je crois que je suis pas à 12. Je ne suis pas à 12, donc ce sera un seul tir. Un seul tir sur 2-3 plus. Voilà. J'active les scouts, du coup, juste derrière, qui vont essayer d'être plus compétents que... que c'est moi-même, qui n'est pas très doué. On est parti sur du 3 plus, les shotguns. Et oui. Merci à Blitzkrieg. Petite peinture. Sur du 3 plus, les shotguns. Pla, pla, pla. Eh ben, ça en fait 4. C'est force 4. Endurance 3. C'est sur du 3. C'est un full.
Y'a de la PA là-dedans ou pas? Non. Pas sauvegarde de PA. À 5, à 6. À 5, je suis caché. Ça change rien. C'est important. Malheureusement, là, c'est vrai. On est précis. C'est vrai. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Là, en fait, comme l'unité est morte, je peux pour 2 PC la mettre dans mes renforts pour mon prochain tour. C'est ça. Le problème, c'est que si je fais ça, j'ai plus de reroll de commandement avec ce mec et il a encore des gros tirs qui peuvent arriver. Et il y a un monde dans lequel ça l'oblige à charger et en fait à venir rester, on va dire, ici sans pour autant trop m'avancer, puisqu'il va falloir que je tienne 2 tours encore si je veux que le Swarmland survive et fuit dans l'autre partie de la table. Et donc, je vais pas l'utiliser, cette unité. Est définitivement détruite, je garde mes 2 PC, il reste encore un pack de gargouilles là-bas et j'ai encore de quoi faire revenir d'autres unités pour screen. La Calidus qui sort du mur, qui désactive son camouflage optique et qui va essayer de faire des dégâts sur ton biovore. On est parti, ce sera donc des 6 tirs. Est-ce que tu as infanterie? Je crois que oui. Eh bien, des 6 tirs. Ouh, ce sera 5 tirs. On est sur un tir infanterie de plus. Eh bien, ça te fait 4 save PA moins 2 pour un dégât chacun. 4 sauvegardes de la 4 qui passe à 6. Pour combien de dégâts? Pour deux, un chacun. Eh ben écoute, mon biovore, il est mort. Ouais, on dirait pas, mais c'est de l'infanterie. Hein. Ah ouais. Il y a beaucoup de jambes pour de l'infanterie. Ça fait beaucoup de jambes. 71. 72. 72. 72. J'ai l'impression d'être carne. D'être carne qui compte les crânes, c'est vraiment c'est ça. Le Land Raider Redeemer, là, on est parti. On fait chauffer les guns. On va envoyer tout sur le Maliceptor. On va essayer de le sécher. 2 tirs de Flamestorm Cannon. 2d6 plus 6. Ok, ça fait 12. Ce qui est marrant avec ce canon, c'est que mec, même si tu fais des jets nuls au nombre de tirs, t'as l'impression quand même d'envoyer beaucoup. On est parti du coup, donc ce sera force 6 en du 11, ouais. Sur du 5. Et pas... C'est ce que moi, tu blesses un peu comme du 4 là. Ouais, c'est un peu scandaleux là. Eh ben ça te fait 6 save, PA moins 2. 6 sauvegardes PA moins 2, ça va tout simplement passer sur mon invulnérable à 4. Ouya, oh, ouya. Écoute, ça fait 2, 4, 5 points de vie. Ah non, 10. C'est 2 dégâts chacun. Ah. Ah, mais Land Raider Redeemer, ça rigole pas. Il s'est fait, ouais, ce con. Bon, bah écoutez, il avait 14 PV au départ. Alpha, au début de la game, pour rappel, avait choisi de faire un survol en Thunderhawk et de faire un bombardement orbital dessus. En fait, en gros, j'avais fait 6, donc il avait pris 6 dégâts. Il en avait pris 5 dans le cul, et enfin, dans le corps. Et bah, là, il restait 9 PV. Bah écoutez, ça va faire... Je suis tout triste. Oui, là, je pensais pas que... D'accord. Ah, j'ai eu un peu de chance, là, sur les G. 73. 73. Ok, ok. 73. Je m'en fous parce que tous tes autres tirs sont perdus. Eh oui, ah, overkill. Dommage. Infernus Marines, qui viennent de dropper fraîchement de leur drop pod. On est parti. 5 des 6 tirs. Sur eux. 21 touches sur les lance-flammes. On est parti. C'est force 5, donc ce sera sur du 3+. Ouais. Je peux utiliser TD. Oui, je crois. Je crois que c'est là que je gagne. Là, je viens de souiller CD. Vous êtes pas prêts avec l'esprit de la ruche? Oignon. Tout ça, c'est sauvegarde à 5. C'est pas mal. C'est parti, ça va donc me faire 10 morts. Fin de l'activation de E. Je vais pouvoir juste faire mon mouvement de surge. Et ça fera 3 pouces. 3 pouces. J'active du coup le drop pod. Et les petites mitraillettes, elles sont cachées. On est parti sur du 3+. Et ben voilà. C'est sur du 3+. Yes, force 4. Ben, ça te fait 2 save. Par contre, tu as le couvert. C'est parti, sauvegarde à 5 qui passe à 4. Ça change tout. Ouais. Écoute, je vais faire poup, poup. On va activer maintenant le Vindicator. On va envoyer les 2 petits tirs de Stormbolter sur les petites bestioles. Ouais. Ce sera 2 tirs sur les 3+, et tout le reste, le Demolisher Canon, le canon, voilà. On l'oriente sur le Screamer Killer. Donc, sur les petits, le Stormbolter. Voilà. Sur du 3. Et ben voilà. Ça c'est fait. Le gros canon, D6 plus 3 tirs. Je suis désolé, hein. Il va plus jamais me réinviter. J'ai l'impression d'être Immortus. C'est vrai, je me disais, hey, je l'ai bien défoncé. Sur du 4+, parce que tu es au corps à corps. Ouais. Alors bon, okay, bah, heureusement qu'il y avait beaucoup de tirs, parce que sinon ça aurait été pas clair. Force 14, donc sur du 3+. T'es un dé en dessous de la stat. Hein. Ah ouais. Bah écoute, c'est bien fait pour moi. Sur du 3+. Eh ben ça t'en fait que 2. PA-3. PA-3, ma sauvegarde à 2, passe à 5. Je n'ai pas le couvert, là. Oh, facile. L'impulsor, les tirs de Melta. Je ne vais pas te faire l'affront de tirer les lance-roquettes, lance-missiles, les lance-grenades. Je vais t'en faire avec ma chitine. Ma chitine. Moi, c'est pas la foi, c'est la chitine. La chitine. Eh ben on va voir si la chitine résiste au Melta. 4+. Eh ben il y en a un. Force 9. En du 9. Sur du 4+. Eh ben non, voilà. Super. Je vais dire la vérité, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Très très mauvais. Du coup, l'impulsor va envoyer les lance-grenades dans les gargouilles
et les le Melta sur le Screamer Killer. Vas-y. C'est parti, lance grenade, 2d6. Ouf. Donc ça fait 7 plus 8. Yes, puisqu'on est 4 tranches de 5. Allez, c'est parti, sur du 3+. Alors, hop. Beaucoup de 6, hein. Oui. Ça, t'es pas mal aujourd'hui, quand même. Force 4 sur du 3+. C'est parti pour 10 sauvegardes à 5. Ou quelques-uns. Excuse-moi, 6. C'est moins bien. Ah. 2, 4, 6, 8 morts. Ça monte. Ouais. Les 150 sont plus très loin. Et sache que je pense que je ne taperai pas avec eux. Je vais plutôt déféquer sur la tombe de Ça, ça va énerver papa. Moins 10. Règle cool. Règle cool, on peut l'ajouter. Le tir de Melta qui part du coup sur du 3+. Non, 4+. Oh, bon. Il s'en fiche. Ah bah non, pas 4+, il est plus au corps à corps, donc 3+. Oui, en plus. Force 9 sur du 4. Voilà, évidemment. Merci. C'était sûr. J'ai payé mes 6. Je vais faire tirer donc les pistolets de cette escouade, puisqu'ils ont des pistolets, ce qui est plutôt cool. Sur du 2+, force 4 sur du 3+. Bah t'as une save. PA. Pas de PA. Pas de PA, sauvegarde à 6. Non, un ball. Un ball. 86. Un tir de plasma qu'on ne surchauffe pas. Oh si, allez, je suis Black Templar, je surchauffe. Ah bah voilà. On surchauffe, on est Black Templar. Sur du 3. Ça passe, force 8, c'est sur du 2, ça passe, PA-3. Allez, maintenant les autres pistolets. Est-ce que tu veux tester le DFM sur GameStudio ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Le scindé. J'aime bien comme il l'a à chaque fois à portée de main. Il l'a toujours avec lui. C'est même quand je cherchais le pain. Hasard 12. Non Excuse-moi, mais est-ce que ça ressemblerait pas un petit peu à un soleil ou plutôt à la lune de cette planète? Celui qui avait le plasma, c'était le mec c'est un des mecs random. Donc super. Je perds un mec avec une épée. Bravo. Mais c'est un truc de ouf par contre cette game là. Il me reste un CP. Non, en vrai, j'ai encore dépensé un CP bêtement comme ça là. Tu ferais quoi toi? Je le relancerais tous les jours, surtout avec le Danus. Parce qu'il est très bien équilibré. Allez, je vais le regretter. Fais-le rouler. Voilà. On a un vrai problème avec les plasmas aujourd'hui, c'est terrible. C'est fou. C'est terrible. Hein. Tiens, remonte. Merci beaucoup. Je le remets là où il était. Dans ma poche. Au moins, il en a tué un. Mais il a le... Regarde-moi la main qui brûle. Les Pyre Pistols, des 6 tirs, les deux. Ou pas, dis donc. Force 4, c'est sur du 3+. Ignore cover. 6 sauvegardes à 6. J'en sauve 1, ça fait 5 morts. Et tu arrives à un tiers, à deux tiers de ton objectif, puisque tu es à 100. Et ça fait poup, et poup. Ils sont 5. Tout pile. J'active les Inceptors à plasma. On va évidemment... Tu tires sur qui? Je vais tirer sur l'esprit de la ruche. Attends, tu veux tirer sur lui? Non. Sur lui, non. Sur eux? Je sais pas, il y en a plein. Hein, ouais, il y en a d'autres. Non, mais le mec, il a trop de bras. C'est pas réglementaire. Trop de bras pour être accepté. L'esprit de la ruche en plus. Trop de bras pour être accepté dans le. Fais attention, si tu le one-shot, il n'y a plus de campagne. Hein. Après, il y a une brasserie à côté. Je suis là pour saboter ton contenu. C'est bon ça, putain. C'est sur du 3+. Putain, c'est un fou. Oh, c'est un fou. C'est un fou. Oh non. Oh non, pas comme ça. Force 8, tu endurances combien? J'ai endurance 10. C'est sur du 5. Reroll. Mais jumelé. Oh putain, pardon. Il y en a 3. J'ai juste qui me pique. Il y en a 4. Stat, tu lui fais 8 PF max. Non, c'est dégâts 3. C'est dégâts 3. C'est PA-3. Ça te fait 4 saves. 4 non. Une par un, une par une. Je vais faire une par une. J'ai décidé de faire une par une. C'est parti, sauvegarde à 4. L'esprit de la ruche. Un vu à 4. Un vu à 4, ouais. Ça tanque. Ça tanque. Ça tanque pas. 3 PV. Il y en a 7. Ça tanque. Ça tanque pas. Ah, il a pris 6 PV. Pas mal quand même. Il en reste 4. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Fin des tirs, du coup, on va entamer la phase, la meilleure phase, bien sûr, la phase de corps à corps. On est parti. Tu n'es pas ça sur la dernière vidéo? Non, mais j'ai appris à apprécier tous les aspects de 40k. Moi, quand je joue une armée, c'est soit un seul truc. C'est vraiment, faut que ce soit full un truc. Je suis très monomaniaque. Ouais, ça, c'est sûr. Ah, voilà, on est parti. On a décidé. Alors là, vraiment, hein. Moi, il m'a pris par les sentiments. Il m'a dit. On fait un duel, sinon je te réinvite pas. Il m'a. J'ai pas dit ça du tout. J'ai dit sinon j'envoie un mail à toutes les assos de France, notamment la tienne, et pour tout le monde saura que t'es un pleutre et qu'ils sont éplorés.
C'est peut-être pire en vrai. Je sais pas. Non mais voilà, on va faire le duel au milieu. Les frères d'épée vont, je vais essayer de les faire consolider sur les gaunts. Yes. Et sur ça. Donc cette unité va charger eux et le prince. Exactement. T'as le droit de le faire à travers le mur. Chose intéressante, en convention WTC, la portée d'engagement à travers un mur est de 2 pouces pour éviter justement qu'on s'embête avec les murs. Les abus, ouais. Donc on va faire ça. Et puis l'escouade de Grimaldus, puisqu'elle a la possibilité d'advancer ses charges, elle va aller charger le petit père ici et les gaunts ici. Donc voilà. Ça ne compte que pour un, je t'ai déjà dit. C'est vrai. La charge de Grimaldus, bon, c'est une charge auto, mais j'aimerais bien pouvoir un maximum aller vers les gaunts. Ben, c'est une charge à 4 que je vais reroll grâce à leurs règles. Yes. Hop. Oh ben voilà, une charge à 9. Magnifique. C'est bon, on peut passer à la phase de combat ? Il y a la petite charge là. Ah pardon ! Petite charge de l'escouade de la mort. C'est petite quoi, l'escouade à 500 points ? Léger oubli, vas-y. L'escouade de la mort, c'est parti. Elbrecht et ses petits pères. On va charger donc le prince ailé ainsi que tout ça. C'est parti. C'est tour 5. Bon, c'est pas fou, hein. Il me reste 2 PC. Je vais bien évidemment déclarer un duel pour rentrer de mano à mano. Yep. Ça veut aussi dire que je vais passer sous la barre des 2 PC et que si tu me détruis une unité, notamment mes gargouilles, je vais pas pouvoir les faire revenir. Ça m'embête un petit peu. Il me reste encore quelques packs, donc ça devrait quand même aller. Mais surtout, avec le dernier PC, je vais pouvoir potentiellement double reroll une 4+ que je raterai avec mon prince. Donc, on en est là. Début de la phase de combat. Début de la phase de combat. Je viens de lever ce bras. Quand je baisse le bras, je claque un PC et je vais déclarer un duel ici. Est-ce que tu le relèves ? Est-ce que quoi ? Est-ce que tu le relèves ? Bien. Non mais tu crois qu'il y a un choix ? Je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est désengagé juste avant. J'overcharge tous mes plasmas, je fais des 1 partout sur les plasmas. J'ai décidé je te de... Je remercie parce que sinon j'aurais fait 0 kill. Bien sûr que je relève ton duel, il n'y a aucun problème. Elbrecht seul va se tenir face à ton petite saloperie là. Il va lui tordre le cou là, tu vas voir. Une unité ennemie en engagement, j'envoie un D6 sur un 2 ou 3, tu prends D3 mortels, 4 ou 5, 3 mortels, sur un 6, D3 plus 3. Bah vas-y. C'est parti. Arrête tes conneries. Il est caché. Ça va. Tu prends 3 BM. Il me reste 6 PEV. 3, feel no pain à 6. Ça en fait 1. Il est à 7 PEV. Malheureusement, ça suffit pas parce qu'il est dégâts 4. Eh oui. Ça va être compliqué. Donc non, je vais utiliser son profil. Parce que oui, Elbrecht, voilà. On est sur un mec plutôt motivé. Tu commences par ici ? Tu veux commencer par les gants ? Bien sûr, bien sûr. Depuis quelques minutes. Bien sûr. Oh, j'ai envie de tanker, je vais laisser. Donc on va avoir au total griffe éclair, double griffe éclair. Tu sais quoi ? Il y a moyen qu'il le fasse juste avec les griffes éclair. En fait, j'allais même te dire, on est sur l'unité la plus létale du jeu, qui en plus là est buff. Ouais. Je te propose de les retirer parce que t'es capable de one shot un stompa. Je pense que t'es capable de t'occuper de gaunt. En fait, je sais pas si. En fait, j'ai pas la reroll et je sais. Il y a moyen qu'il y ait des blagues parce que j'ai pas la reroll et tout le monde peut pas taper. Ah. Donc à partir de là, on va voir. Eh ben vas-y, on va jeter les dés. C'est parti. 5, ils ont touche létale, mais ils n'ont pas sustain, pardon. D'accord. Ça, j'y avais pas pensé, ils n'ont pas sustain. Touche fatale sur du 5+. D'accord. Excuse-moi, mais ça okay. Létale bien, là. Non, c'est force 6 sur du 2. Je t'avais pas et puis c'est twin leaked. Voilà, bon, bah voilà. Bah, tu as tout ça, PA-2, dégâts 2. Je suis à côté de cette magnifique figurine. De psychophage. Oui. Je te rappelle que depuis le début de la guerre. Il nous fait perdre beaucoup de temps depuis le début. Elle a pas sauvé un putain de gaunt. Franchement, mais c'est dégâts 2. Ben oui. Allez, 10 dés, sauvegarde à 6. Ok. J'ai 3 réussites, j'ai une chance sur 2 de sauver un gaunt. Ok. Donc reroll. Fou. Dingue. Va peut-être falloir retourner, je suis pas sûr que la game puisse continuer parce que là en termes d'équilibrage. Quelle dinguerie! Ouais. Ça fait donc 9 morts, t'étais à 100, tu passes à 109. 4 patates sur du 5+. Enfin, crit sur du 5+. Y a pas de reroll, mais tout passe. Enfin, y a pas de reroll et pas de crit. Donc maintenant, c'est force 5, force 6, pardon. Donc sur du 2. Combien? Eh ben, c'est 2 dégâts chacun, PA-2. Ok, sur du 6. Aha! Je reroll. Non, bon là il y a 4 morts de plus. 4 morts de plus. Donc on était, il y a eu pour l'instant 9 morts. Non, il y a eu, ah oui, 9 morts 9 plus 4. 4. 13 morts. C'est parti, 8 patates sur du 3+. Il y a du crit. Ah non, c'est force 6 sur du 2. Donc ça te fait 6 save, PA-2 encore. Ouais, mais là... Dégâts 2. Mais c'est quoi ces épées? En fait, j'ai plus 1 au dégâts sur toutes mes armes grâce à la règle des frères d'épée. Ah, ok. C'est ça le truc. Non, mais maintenant je comprends. Je comprends pourquoi, donc je peux tanker. Ok. Yes. Oh, il en sauve un autre. Yes. C'est une dinguerie. Pour l'instant, il reste 2 mecs en vie. Bah là, il y a le lieutenant. Ah, ils ont pas tous tapé. Non. Le lieutenant. Bah non, il reste aussi les Thunderhammer. Ouais, mais ça touche moins bien. Ouais. C'est pas fait pour taper les petites choses. C'est les petites choses. Les petites choses inoffensives.
Sur du 2+, le Power Fist. Bon, ben voilà, en plus, t'as 3 touches fatales. Mais d'où il tape à 2, lui? Et ben ouais, c'est un lieutenant, il tape à 2. Et maintenant, c'est ben voilà, bon, bah ben, t'as 4 saves, PA moins 2, encore une fois, dégâts 3 chacun. Voilà, il faut que je fasse 3-6 consécutifs, vous l'aurez compris. Il y en avait combien? Il y en a 4. 4? Allez. Bon. Bon. Bon, bah, et au moins, ça te fait plus 20, t'es à 120, c'est facile. C'est clean. C'est là depuis tout à l'heure en séquence. C'est vrai, c'est facile à se retenir. C'est bon. Et j'ai qu'un PC, donc je peux pas les faire revenir. Helbrecht, l'épée des hauts marshals, sur du 2+, 6 patates, force 9, PA moins 3, dégâts 4. J'allais dire un truc, je vais pas me porter karma, hein, je dis rien. Ok. Et j'encaisse. Sur du 2+, oui. Crit sur du 5, il y en a un, serment de l'instant. Putain, c'est vrai que je sais. C'est pour ça que tu crites à 5, d'ailleurs. Oh. Vous avez 2 blesses auto. Ouais. Maintenant, c'est force 9, 4+. Vas-y. 4+. Non, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Vous avez 4 saves, dégâts 4, PA moins 3, monsieur. C'est parti. Écoute, jette des rapides, quoi qu'il arrive, je claquerai ma reroll plus l'autre dès que je vais en rater une et on verra juste les finopains, ça te va? Yep. C'est parti donc, 4 sauvegardes. Allez, si tu veux. Bah attends, là, c'est un... Attends. Et regarde Grimaldus, récite-moi son lore. Ah bah non, il n'y en a pas. Bah c'est un random. Non, c'est, plus sérieusement, c'est l'étape ultime de l'évolution. Ah, c'est ça? Bah attention, hein. Je ne le présenterai pas à ma fille. Ouais. Moi, j'avoue ça, que comme gendre, pas ouf. Hein. Franchement, pas ouf. Mais à côté de ça, de toute façon, j'ai pas de fille, je m'en bats les couilles. C'est parti. Sauvegarde invulnérable à 4. Tu vois, c'est marrant. La plupart des gens, ils jettent leur sauvegarde, tout ça, il n'y a pas d'énergie. Mais oui, il faut. Allez. Allez. Je suis pas échauffé. Déhanche-toi. Sauvegarde à 4. Ça pue la merde. Je vais claquer le PC, puisque. Ok. C'est parti. Sauvegarde à 4. C'est le même. Ah non. Sauvegarde à 4. Non, c'est pas possible. Je vais utiliser le PC du général, enfin, c'est la petite une fois par game. Ah, c'est vrai, tu peux le refaire. Donc là, je peux relancer 4+. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, putain. Il en reste 2. Non. Oh, il est oméga détruit. 6 dés, il y en a pas un qui est passé. Oh, il est oméga détruit. Je trouve que tu vends la peau de l'ours un peu trop tôt. J'ai 16 feel no pain. Tu as 16 feel no pain. C'est parti. 6. Eh, en vrai, c'est pas mal. Hein. C'est dommage. Hein. Ah ouais, il était beau. Franchement, c'est pas mal parce que ça fait 2, 4, 6, 8, 10 PEV. Ouais, bah, de toute façon, c'est ce qu'il avait. Donc, ouais. Tout neuf. Et il avait 7. Écoute, est-ce que j'explose? Oh, j'explose. Oh, j'aime pas. C'est parti. 2-3 blessures mortelles. Une. Sur qui? Sur eux? Sur tout le monde. Écoute, lui, il va tenter de l'ignorer puisque je suis à côté de mon copain sur du 6. Bon, bah non. Donc, il a 5 PV, lui. Ensuite, on va avoir cette petite escouade. Ah, c'est pas... Fino Pain à 5, un dégât? Ouais. Je suis désolé. Ah non, Fino Pain à 6, donc je prends un dégât. Je prends un dégât. Bien vu. Ensuite, on a l'unité d'Albrecht qui va en prendre une aussi. Fino Pain à 5, par contre, cette fois. C'est insolent. C'est beau. Ok, c'est parti, du coup. On va envoyer, donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 fois 5. J'essaie de me protéger derrière cette petite barricade qui est sur la table, je ne sais pas pourquoi. J'active du coup les épées tronçonneuses qui sont à portée d'engagement des gaunts. Donc, eh ben, vache, eh ben, je vais avoir un sustain bless auto et je vais tout reroll. On est greedy comme ça. Voilà. Eh ben, c'était pas une bonne idée. Donc, c'est les 15 premiers, ça. Voilà, donc j'en rajoute 2. Ouais. Et ça, c'est bless auto. Maintenant, je suis force 4, donc sur du 3. Hop. Je te propose de les retirer, parce que là, t'as fait la moitié. Ouais. On les retire, ça en fait 9 de plus. Tu étais à 121 avec le prince volant. Tu passes à 130. Et je n'ai plus de PC, donc ok, je vais pas les faire revenir. Boup. On envoie les points énergétiques dans le petit Screamer Killer. Donc ah, c'est sur du 3+, et on a sustain et létal. C'est bon, je vais l'encaisser, celui-là. Hop. Sauf que je suis joueur, je repêche. Je repars à la pêche. Allez, vas-y. Stat, je me demande si ça vaut le coup. Non. Mais regarde, tes croyances te récompensent. Mes croyances me récompensent. C'est un peu ma vie en Black Templar. Donc du coup, j'ai 3 blesses auto, plus donc touche soutenue, grâce au Dreadnought, qu'on remercie. Merci papa. C'est mérité. Force 8 en du 9. Ouais. Donc sur du 5+. Je sais pas, bah voilà. Bah, t'as que 4 saves. 4 saves, APA moins 2, ma sauvegarde à 2 passe à 4 et dégâts 2. Et ça fait 4 points de vie, il lui en reste 1. Parti pour les épées tronçonneuses. Merde. Ah, vache. Eh ben, ça fait 4. Sens que le merde était sincère, là. Allez, les gars, il y a la chitine qui est en train de rompre, là. Allez. Elle est goûtue.
Allez, goûte, c'est... Oh, putain, mais la vache, mais... c'est vraiment trop stupide, cette unité. Maintenant, c'est par contre force 4, donc c'est sur du 6. Ouf. Écoute, bah voilà. C'est parti, je ferai mes fins à peine juste après avec cette vague-là de dés. Ça me fait 12 sauvegardes, ma sauvegarde à 2 passe à 3, parce que c'est PA-1, les épées tronçonneuses Astartes. Je suis à 4 ratés, je vais les faire tout de suite. Bon, bah, il est mort. Et celles d'avant, tu les avais faites ? Ouais, non, mais je les ai même pas encore faites. Et quoi qu'il arrive, là, je suis déjà en négatif de 3, donc c'est bon. Et j'explose pas. Oup. À moi de taper, puisque toutes les unités qui ont chargé l'ont fait. Donc maintenant, on a eux qui avaient fait leur mouvement de surge. On va les retirer aussi, parce que c'est la même létalité, hein, quelque part. Par contre, on a ici. Et là, c'est intéressant, parce que soit j'assure et j'active l'Azure Specs, mais c'est pas fun. Soit on est là pour le beau jeu. Ah, tu plantes un petit truc et je sais pas. Je sais pas si ça va rentrer. C'est toi qui vas me dire. Oh, je pense que ça rentre. Je pense. C'est qu'on va même commencer par cette attaque. Donc je te rappelle, j'ai un peu de saturation, mais j'ai une attaque qui est intéressante. Il a commencé par celle-là, parce que c'est celle qui fait que si jamais ça te tue, bah ça te tue. Tu prends un petit truc. Il te reste qu'un P ? C'est un PV, ouais. Ok. C'est la partie, attaque à 2+. Ça passe ? Anti-infanterie 3+. C'est cassé. C'est cassé, là, c'est cassé, pour cassé. Tout le monde. Puis en vrai, ça pourrait être un 3. C'est vrai. Ou un 1, mais... Ouais. Ça dépend sur un connard. 3+. Oh ! Un vu à 4. Yes ! Tu fais no pain à 6. Oh ! 3 dégâts ? Ouais. Fais no pain à 6. Non. Si je vais le triple 6 maintenant. Aïe, aïe. Il y avait un côté cool, mais il y avait un côté un peu de haine aussi. Oui, un peu. Non, mais donc ça là, fait c'est trop, intéressant. Faut expliquer. Donc, en gros, le parasite de Martex, avec son attaque unique, s'il détruit une figurine, il y a un vorace qui peut popper juste à côté. Et ça, il est tellement choqué, lui, il est tombé. Il a vu la scène, il fait. Mais c'est dégueulasse. Capitaine. Enfin, Marshall, je veux dire, c'est pas le même. Alors, lequel je vais te prendre? Excusez-moi, ça vient de sortir de toi, ça, mon petit alpha. Je le retire? Vas-y. Oh, je me sens pas bien. J'ai mangé un truc là, j'ai pas digéré. Tu étais à 130, tu viens passer à 137. Fin de mon tour, du coup, ça s'est bien passé. Le mid a été bien dégagé. Là, ça va être compliqué pour Evie. La cible écoute, des Black Templars. Si j'ai un bon tirage au secondaire, je pense que je peux encore revenir. La cible de là, on pourrait tenter une Overwatch s'il ne bouge. Peu de chance que ça passe. Je vais le bouger. Hein. On va pas se mentir. Peu de chance que ça passe. C'est bon, t'es deux. C'est vrai. Et c'est j'ai deux renforts que tu connais pas. C'est vrai, ça. Ah oui. J'y avais complètement pas pensé. Et là, il me sort un hiérophant. Bonjour, voilà. Alors, tu croyais que t'étais bien parti? Non, c'est juste du fun, tu vas voir. C'est parti, début de mon tour 2. Au niveau des points de commandement, le Swarm Lord est toujours en vie. Je vais donc gagner 2 PC et pas 1, passer de 0 à 2. Alpha, lui, va passer à 1 PC. C'est un petit peu chaud, je rappelle pour moi les enjeux de la game. En tout cas, les enjeux d'Alpha, c'est d'arriver à 150 points de kill pour tout simplement déblayer le terrain et sur le prochain rapport de bataille narratif, changer de carte et aller au fond du fond de la cité tyrannide. Et là, on vous réserve des gros trucs. Ici, moi, mon objectif, c'est surtout en fait que le Swarm Lord, il doit survivre au moins jusqu'à mon tour 3, puisqu'à mon tour 3, il va pouvoir se barrer par un des bords de table. Donc clairement là, à partir de maintenant, je vais plus compter le nombre de points, il va avoir aucune difficulté à faire les 20. Donc là en fait, je vais tout simplement envoyer un maximum de ressources pour faire ce qu'on appelle un peu du move block, protéger au maximum le Swarm Lord. Il a une règle de bodyguard qui fait que quand j'ai une unité à côté de lui, je peux envoyer les blessures sur du 4+. Alors ben, on a vu que des fois ça passe pas. Mais voilà un petit peu ce qui va se passer. Tout va aller là, je vais quand même tenter de lui retirer des pertes parce que faut pas oublier qu'on est dans une campagne mon petit alpha et que chaque figurine que toi tu perds ne reviendra pas au prochain épisode. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, peut-être mon Marshall reviendra, mais avec un mot de ventre. C'est différent. Donc, il y a un monde dans lequel j'ai quand même envie d'envoyer des ressources, au moins pour te priver de ce gars. Juste pour le fun. Juste parce que je sais que ça te fait plaisir, que c'est un peu ta figurine chouchoute. Et on va voir ce que ça fait. Le daron, là. C'est parti. Fin de la phase de mouvement. On a ici une petite échappée sauvage pour tenter une petite charge à 8 sur cette escouade-là. À partir du moment... Je suis juste là pour priver Alpha de plaisir sur la prochaine game. C'est important. Donc en fait, je vais essayer de lui détruire des figurines pour qu'on ne les revoie pas au prochain rapport de bataille. Vous les aurez vus, il les aura peints, tant mieux. À la fin de ma phase de mouvement, pareil, j'avais une surprise à ce tour, c'est que j'ai deux Molochs qui étaient en faible et personne ne le savait. Mais malheureusement, il a vachement avancé pour un tour 2. Donc je suis obligé de faible chez moi, mais avec une bonne triangulation, tout est à 12 pouces de cette unité et de celle-là. Donc pour le coup, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer un petit peu comment marche le Moloch. Le Moloch, quand à partir du moment où il arrive des frappes en profondeur, il va prendre toutes les unités à 12 pouces de lui alors qu'il arrive à 9 des unités et demi. On va jeter un dé. De 2 à 4, ça sera des 3 blessures mortelles. Et sur du 5 et du 6, ça sera 3 PV. Et en plus de ça, il y aura un petit test d'ébranlement. On commence par cette unité ici, sur du 2. 3, ça sera des 3.
Ça sera deux blessures mortelles sur eux. Feel no pain à 6. Eh ben non, eh ben il reste un PV à un des Inceptors. Tu lui mets. Ensuite, ouais, ensuite on a le deuxième, je te le fais cash. Ok. 3, pareil. Deux blessures mortelles encore. Feel no pain à 6. Bon, l'empereur. Non. Non, il y en a un mort. Un mort et un à 2 PV. Yes. Les deux sont assez proches du mur, donc je vais pouvoir tout simplement charger quoi qu'il arrive, soit par là, soit par là. C'est vrai que ça aurait été cocasse que tu me tues. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard. Genre, je me suis pas encore rendu compte. Tu vois, t'es cocasse. Ici, on va faire la même chose. C'est parti. Je fais les deux en même temps. Écoute, ça te fait 3 et 4. Ça va donc te faire 2 des 3 blessures mortelles. Et ça va te faire 2 blessures mortelles. Eh bien, 2 feel no pain à 5. Eh bien, je prends 1 PV. Il reste un PV à un méga. Ah, le nul. C'est parti, on enchaîne maintenant avec la phase de tir. On va commencer par tous les petits tirs ici. On rappelle au niveau quand même des Black Templars qu'ils ont un stratagème assez rigolo qui leur permet de faire une poussée de dévotion. C'est en français. Une poussée dévote. Une poussée dévote. On fait comme ça alors. Et ça lui permet en fait tout simplement de se rapprocher d'unité mais de pas rentrer à portée d'engagement. C'est ça. Donc pour le coup, c'est pour ça que je l'ai complètement enfermé ici. Vous l'aurez compris, mon but est de protéger le petit Swarmlord. On a fait de la géométrie. Normalement, personne n'a la portée de là-bas à de là pour pouvoir lui tirer. Bleut. Excuse-moi, t'as fui un duel. Là, il y a Elbrecht qui se regarde. Elle a peur. Le Xenos a peur. Oui. Oui. Et pareil, j'ai fait un cordon dégueulasse pour l'empêcher de rentrer. Pareil, là, on a Judicar qui pourrait faire une petite échappée. On sait jamais. C'est vrai. Donc, je vais pas faire le fifou. Là, ce qui va se passer, donc tout simplement, on va commencer par la phase de tir. Mon but est vraiment de lui faire, entre guillemets, mal. On va commencer par les tirs faciles, surtout maintenant qu'il n'y a plus qu'un mec ici qui a un PV. Je me réfléchis maintenant s'il vaut mieux pas que j'overwatch pour me laisser une opportunité après, tu vois. Parce que eux, ils me mettent bien dans la sauce. Ouais. Tu veux ? Comme tu veux. Et du coup, j'aurai apparemment le content. Allez. Allez. Ouais, je vais le faire. Parce qu'en vrai, d'accord, Alpha, je sens Alpha que ça va me mettre dans la sauce. D'accord, Alpha revient sur la phase de mouvement. Tu Pardon. Souhaites donc. Non, t'inquiète. Tu souhaites ici faire un tir en état d'alerte sur eux. Ouais, je vais faire ça. Tir en état d'alerte, c'est tu parti. Tu tombes à 0 PC, pas d'armure du mépris, rien du tout. Pas besoin. D'accord. Je vais regretter ces mots. C'est parti. 5d6. Attends, excuse-moi. Vas-y, ça compte. Mais je vais quand même te faire 2d6 plus 6 qui toucheront à 2 moins... Ok. Tu parles à un Black Templar. Hein. Les mecs qui prennent des décisions extrêmement pas réfléchies et qui ont des conséquences désastreuses. Hein. D'accord. Ça me va. C'est force 5 sur du 3+. Yes. Et bah t'as tout ça en ignore cover. Un save sur tes Gaunt. Yes, on est donc sur une save à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est donc à 139. C'est bon. C'est beau. Ça valait le coup, je pense. Putain, c'est propre. Hein. Je pense que ça valait le coup. Parce que sinon, ils vont rien faire de la game. Oui. Rien faire de la game. Ce sera dommage. On enchaîne ensuite donc avec la phase de tir. Ici, je vais tirer avec mon neurotyran qui a un lance-flamme à 18 pouces. Je vais donc faire 2 des 6 tirs. Et ça fait 9. Force 5, endurance 4. Sur du 3+. C'est faible, la chérubine. Je sais. Putain. Je vais pas fou non plus. En vrai, c'est stat. 2, 4, 5. 5 Perds moins 1 dégâts. 2, attention. Ok. Tu veux peut-être armure... Ah bah non, t'as préféré me sortir une tête gaunt. Sauvegarde à 4. Eh bien, il y en a deux qui passent. Alors, le premier, Feel No Pain à 5. Ouais. Eh bah, il meurt tout pile. Yes. Le deuxième, Feel No Pain à 5. Eh bah, il en prend 1 PV. Hop. Et... Il reste 2 PV. On va tirer avec 7 unités dans E, D6 plus 3 tirs. Ça fera 7. J'ai plus de tirs, j'ai plus 2 le chiffre. Je vous prends pas pour des comptes. Plus 2 le chiffre. Mais t'as compris, j'ai oui. Pas plus 2. Enfin, t'as compris, pas plus que lui. T'en as un peu plus que moi quand même. Aussi. Bref, c'est sur du 3, je n'ai pas bougé et c'est une arme lourde, illy. Donc ça va être sur du 2. Une qui rate, force 8, endurance 4, sur du 2. Et ça te fera donc 2, 4, 6 sauvegardes, s'il te plaît. PA-3, du coup, sauvegarde à 6, c'est parti. Eh ben, j'en ai une qui est sauvée, et c'est 3 dégâts à chaque fois. Ouais. Allez, sur celui qui a 2 PV, Feel No Pain à 5. Ah bah, dommage, il meurt tout pile. Ensuite, Feel No Pain à 5. Oh non, un autre mort, tout pile. Feel No Pain à 5. Ah. Ah, joli, 1 PV. 1 PV, Feel No Pain à 5. Oh. Joli, 2 PV, il en reste 1. Il en reste joli, un encore. Joli, il en reste 1 qui est 2 blessures. Ouais. Et ben voilà, donc ça me fera 3 morts. Écoute, je vais tirer avec lui, exactement de la même manière. Donc okay. C'est parti, c'est sur du 2. Comme l'autre a tiré dessus, je vais pouvoir relancer les 1. Donc ça va me faire D6 plus 3. Ça va faire donc 5 plus 4, 9. Sur du 2, relance des 1. C'est ça, c'est pas mal. Bon, il y a 1 à relancer quoi. Yes. Et maintenant c'est sur du 2 encore. Exactement.
Ouh, ça a picoté ça. 2, 4, 6, 8 et 9. Eh bien, sauvegarde à 6. Eh bien, j'en sauve 1. Ouh, ça va piquer ça. Ça va couper, chérie. Là. Là, ça va couper très fort. Ça faudrait être bon au jeu sur les films. Ah là là, qu'est-ce que ça serait beau que Grimaldus. Que Elbrecht meure comme ça. Ça serait mal au cœur. Ça me gênerait grandement. Tu m'as dit qu'il était endoré parce qu'on le voit mieux, c'est ça? Ouais. Sauf que ça se voit pas mal sur les tiens. Il est très visible là. Philopane à 5. Un mort. Un mort direct, ça j'aime pas. Philopane à 5. Deux morts direct. Je crois que l'empereur est en train de le lâcher. Philopane à 5. Allez, un PV. Ah, dommage. Il est bien mort, lui. Un mort encore, donc on est à 3 morts. Ok. Il reste un PEV. Il reste un PEV. Eh ben, il est encore mort. 4 morts. Oh, il reste un PV. Eh ben, on est à 5 morts. C'est parti, on va maintenant passer à lui. Il va mettre tous ses tirs dans E. Ça fait 5 tirs sur du 4. Relance D1, puisque j'ai tiré avec un canon peignant. Mm-hmm. Hop, merci. Force 5, endurance 4 majoritaire sur du 3. Ça t'en fait 2, s'il te plaît, paie un moins 1 pour 2 dégâts. Est-ce que je suis à couvert, non? Non. Ok. Eh bien, ça fait 4. Ah bah c'est tanké, ça. C'est beau, ça. C'est parti, je vais faire maintenant tirer toutes les gargouilles. Ça me fait 20 tirs sur du 4. Relance D1, puisque, encore une fois, il a tiré dessus. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. 5 save à 3+. Eh bien, il y en a une qui a raté. Finopena 5. Eh ben non. Un PV, il reste 2 PV au Marshall. Enfin, au frère d'épée, chef de stage. Ici, les Barb Gaunt, ils vont pouvoir tirer. J'en ai plus qu'un qui est à portée à 24 pouces, parce que c'est important de bien séquencer ces phases, les amis. Donc ça en fait 1 des 6 tirs. Ça va faire 6. Ouf. Blast. Mais bon, ouais, c'est fou. C'est sûr du 4, relance D1, parce que j'ai déjà tiré dessus. Et c'est important. Oui, pas mal important, là. Écoute. Oulala. Je suis force 5, endurance 4, sur du 3. Ça en fait 3, s'il te plaît, 100 PA. 300 PA, sauvegarde à 3. Eh bien, c'est joli, solide, ça. L'empereur protège. C'est parti, finalement. Écoutez, je vais décider avec le Malceptor de tirer sur eux pour tenter de cligner l'unité, histoire qu'on ne le voit pas au prochain rapport de bataille. Et ça sera pour le prochain tour. On va donc faire D6 plus 3 tirs dans eux. Ça fait 3, ça fait 6 tirs. Sur du 3, relance D1, parce que j'ai déjà tiré dessus. Est-ce qu'on serait pas sur un full? On est sur un full. Aïe, 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 aïe. Force combien? 8. Force 10. Sur du 2. C'est, ça reste. Excuse-moi, et en plus de ça, je viens de tirer un truc qui va te faire mal le cœur. C'est des dégâts psychiques. Oh putain, ça m'énerve. Ah, ça. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh putain. Ça m'énerve. En plus, on l'attend. Force 10, endurance 4, c'est sur du 2. Oh, j'en ai raté un. Nice. Petit CP là, j'ai un petit CP là. PA combien? 2, 4, 5, PA moins 2. Mais dégâts flat 3, et tu n'es pas à couvert pour le coup. PA moins 2, donc sauvegarde à 5. Alors là, je vais les séquencer parce que j'ai les os de Tannhauser sur mon lieutenant qui fait que je réduis de moitié les dégâts. D'accord. Que je vais subir. Donc le premier, sauvegarde à 5. Non. 3 dégâts. Ouais, Final Pain. Final Pain à 5. Oh, eh ben, il reste un HP. Joli. Ensuite l'autre. Non. 3 dégâts, Final Pain à 5. Non. Bon, il est mort. Tu te calmes, Jean-Claude. 3 saves maintenant. Tu pourras pas me le one-shot, donc on va en jeter 2. Sauvegarde à 5. Oh, c'est pas possible. Donc c'est là, 3 ramenés à 2, ça fait 4 PV. Il nous reste 1, c'est ça? Ouais, et ensuite 1. Donc 4 PV, c'est parti. Eh ben, 2 qui sont ignorés. Il a 4 HP, le lieutenant. Il lui reste 2. Une attaque. Ah, magnifique. Joli. Bon, il lui reste 2 HP, mais l'unité n'est plus, donc j'aurais plus les buffs de zinzin. Alors dis-moi tout, c'était eux, ils donnaient quoi comme buff au personnage? Alors eux, ils donnaient plus 1 dégâts. Au corps à corps. Ah, d'accord. Et il faisait en sorte que toute l'unité avec Philopane à 5. On va passer à ces petits Thermagones. Ils vont mettre tous leurs tirs dans eux. Ils sont donc 17 pour l'instant. Ils ont les dévoreurs, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez, c'est 2 tirs, force 4, sans perdre dégâts 1. Sur du 4. Force 4, endurance 4. C'est un beau duel pour un Space Marine. Sur du 4. Je parle trop, Alpha. Ça fait 4 save. Combien de save? 4. Oui, bah ça va. On dirait Admec. Save à 3. Eh ben, j'en prends 2 et Philopane à 6. Joli. Eh ben, j'en prends qu'un seul. Bah, je tue un marine. Deuxième salve. C'est vraiment le flashback de l'Admec où tu envoies des sauts de dés pour un PV. C'est parti. Deuxième salve sur du 4+. 4+. Écoute, ça va t'en faire 3, s'il te plaît. Ah non, c'est moins bien. Ok, ça y va. Smoke. Pardon, je suis désolé. Tu te smoques de l'esprit de la ruche, toi, t'es un fou, toi. Je vais tanker sur mes Marines avec épée tronçonneuse. 3+.
Joli. Voilà. C'est parti. Lui, il va te mettre un petit coup de langue. Ça me fait plaisir. Sur du 3. Force 6, précision. On s'en fiche. Sur du 3. Et ça fait rien. T'aurais pu choisir lequel en jouant les. C'est vrai. Et là, c'était si. Cohésion, paf. C'est parti, je vais faire tirer mon deuxième biovore, enfin le seul qui est sur la table, puisqu'il est mort. Il est mort l'autre. Je vais tirer directement dans ce petit gars là-bas. Donc je vais faire des trois tirs. Le petit là ? Oui, le petit là, exactement. Par contre, je te dis sans ligne de vue, donc je vais passer de 4 à 5, mais je suis Eevee. Donc je reste à 3. Ça, oui, tu es Eevee, tu le dis à chaque fois. Et à chaque fois, tu as raison. Écoute, bah, malheureusement, ça en fait une. Je suis force 6 par contre. Ah, bah je suis en 4. Ce 3. Et ça blesse. PA moins 1, dégâts 2. Pas de PA du coup, donc save à 3. Et bah, c'est tanké. Ok, c'est parti, on passe à la phase de charge et on a le Screamer Skiller qui va charger ici. Et ça passe très largement. Très largement. Bon, comme ça, ça paraît bizarre, mais. Il fait l'amour au mur. Et, il va l'écraser. Tu vas détruire le mur encore ? Ouais, c'est sûr. On pourrait. Mais le problème, c'est que si je fais ça, Moi, ça marche. Je suis pas sûr. Lui, il va utiliser la charge pour simplement back et un petit peu se cacher. C'est malin ça. Ça fait 3. Et un 4, ça suffit. Ici, charge. J'aimerais bien faire une belle charge pour pouvoir en fait ne pas que faire socler ses gars, mais en fait tout simplement aussi avec justement potentiellement aller vers lui. Ça me semble bien. Oui, je pense que tu y es là. Et là, les amis, on est sur une charge, j'allais dire importante. Oh, quand même, on peut faire des trous. On peut faire des trous avec eux, c'est une charge à 8. Oh, fallait y aller ? Facile. Oh, j'ai aucun doute. Aucun stress. Aucun doute. No stress. C'est parti, on va activer en premier cette unité, elle fera pas de PC, donc je vais pouvoir me faire plaisir sur l'ordre d'activation. Et tout simplement, on va dire que E s'active, on commence par lui, 6 attaques, sur du 4, relançable. Grâce au vieux borgne. Exactement, puisqu'il a chargé. Et derrière, je vais être force 9, endurance 4, sur du 2. Ah. Et il y a 2-1 malheureusement, ça te fait déjà 3 sauvegardes s'il te plaît. Bah PA-2, sauvegarde à 5. Eh ben j'entends que 2, 3 dommages. Ouais. Fino Pain à 6. Oh joli. Il reste un PV. Ensuite, je vais faire deux attaques sur du 4 aussi. Relançable. Force 9, toujours, sur du 2. Et ça te fait deux sauvegardes, toujours dégâts 3. Sauvegarde à 5. Eh ben non, c'est raté. Dégâts 3, le premier. Dégâts 3. 3. Oh, il était motivé, mais non. Donc, ça me fait un mort. Tu veux le tanker sur un man, slot ou sur un scout? Je vais le prendre sur un scout, ouais. Hop, 3 dégâts. Eh ben non, le scout qui meurt. C'est parti, le vieux borg, il va te taper, ça va être 6 attaques sur du 3. Relançable parce qu'il est dans son pack. Ça fait plaisir. Et derrière, il est force 14 sur du 2. Je crois. Ah, tu vois, il n'y a pas de 1. Et CP à moins 3. Bah, c'est sauvegarde à 6. Ouais. Non, j'en ai raté 6 au total, donc sur le premier raid, et le reste, ce sera sur les scouts. D'accord. Donc, c'est 3 dégâts à chaque fois. C'est dégâts des 6 plus 1. Bah, ça, c'est faire un par un, t'es prêt? Ouais, la première, ça fait 5 dégâts. 5 dégâts sur le marine. Allez, 5 feel no pain à 6. Il y croit ? Non, tiens donc. La deuxième. Ça fait 5 et 1, 6. Tu peux tous les faire. Une à 3 dégâts maintenant ? Vas-y. Eh ben, il meurt. Yes. Une à 4 dégâts. Une à 4 dégâts. Ouh, dommage. Dommage. Il meurt. Une à 7 dégâts. Il meurt. Ensuite, une à 5 et une à 6 encore. Eh ben, ça fait deux autres morts, ça fait 5 morts. 5 morts au total, ouais. Ok. Ici, on va avoir le Screamer Skiller qui va taper à travers le mur dans ces petits messieurs. C'est parti, c'est sur du 3+. Ouh, c'est moche. Oh là. Par contre, c'est force 10. Tu es endurance 6 avec eux, c'est sur du 3. J'en rate encore un. Et ça fait 2. Oh, tu veux ? Non, oh, non, on se pose. Voilà. Allez. PA moins 2, donc sauvegarde à 5. Ouais. Oh ! Ouh, c'est un drame, ça. Oh ! Oh, ça sent un drame. Dégâts 3 ? Ouais. Fino Pain à 6. Vas-y. Non. Donc un mort. Ouais, et un tout à l'heure qui était mort. Lui, il va faire ses 3 attaques sur du 3+. Ça en fait 2. Force 7, endurance 6 sur du 3+. Ça t'en fait 2, s'il te plaît, sans PA, mais dégâts 2. Sauvegarde à 3. Joli. C'est tanké. Solide. Et maintenant, tu as un exocrine englué au crack. Ici, je vais tout simplement mettre toutes mes attaques dans lui et avec mon paladin. Si j'arrive à m'en débatouiller, je vais pouvoir le locker lui. C'est parti pour 14 attaques sur du 3. C'est pas à moi, ça. Comment ça? C'est pas un tyrannide, ça. Ah bon? Je l'ai senti direct, t'as vu? Ah ouais, ça va être... oh le... C'est pas grave, il touchait quand même. Hydra Dominatus. Je suis force 7, endurance 4, c'est sur du 3. Et ça te fait tout ça, s'il te plaît, PA-1 pour 2 damage. 5 save sur du 4+. Feel no pain à 6. Oh! Eh ben, il lui reste un PV. Joli. Ben, juste un mort. Je vais retirer ce modèle-là, puisque sinon, il va pas aligner sur mon 24, ouais. Ce que j'ai pas envie. Voilà. Oh, okay. Écoute, je vais tenter de contrer, t'as pas envie. Et je vais faire 4 attaques de pain, cette fois-ci, sur du 3.
Et force 14 sur du 2. PA-2, sauvegarde à 5. Eh ben non. Ça, c'est des tyrannides. Ok, bah, je crois qu'ils sont morts. Hein. Dégâts D6 plus 1. Bon, ça, ça fait 3 ici. Fino PA 3 à 6. Non. Le premier est mort. Et le deuxième, 3 aussi. Oh. Eh ben, il est mort. 2 morts. Poup, boum, boum. Donc boum. Malheureusement, je suis collé avec lui, donc je vais pas pouvoir paline sur lui. C'est parti, fin de mon tour. Au moins, j'ai réussi à tuer une escouade Brothers of Paix. De frères de paix qui étaient ici. Et au moins, bah, je suis sûr qu'ils seront pas contre moi au prochain rapport de bataille. Et donc, je suis plutôt content, en tout cas, du dispositif qui va normalement me permettre de respirer un petit peu avec mon Swarmlord pour vous assurer un troisième épisode de ce rapport de bataille narratif. Sous réserve qu'Alpha ne me réserve pas de surprise, j'ai quand même décidé d'ignorer ici la petite Calidus. Et j'ai aussi rapatrié de ce côté-là le Mortex, le parasite de Mortex, puisque pareil, je trouve qu'il est trop cool et que j'aimerais bien vous le montrer au prochain rapport de bataille. Début du tour 3, Black Templar. On a subi de lourdes pertes. Beaucoup de vétérans viennent de tomber, mais le lieutenant et Elbrecht tiennent. On va envoyer le serment de l'instant sur l'escouade du vieux Borgne. Le vieux Borgne, je veux pas le voir. Il me fait trop peur. On va envoyer un stratagème qui est le stratagème qui me permet d'activer un autre vœu pendant jusqu'à la fin de mon prochain tour sur l'escouade du champion de l'empereur. Ce sera le vœu Suffer not the unclean to live, donc plus létal. Donc touche fatale sur cette escouade. Et le Grimaldus va déclarer Field Open à 5 sur son escouade de croisée Primaris. Ok, grâce au fait que tu es à côté du socle de reboot, tu vas pouvoir passer de 0 à 2 PC. T'en as utilisé 1, tu seras donc à 1. Moi, je passe de 2 à 3. En termes de mouvement, là, je vais avoir des redéploiements. On va avoir la Calidus et les deux scouts. Je vais voir où est-ce que je les positionne selon là où j'ai besoin un petit peu de DPS d'appoint. Le Vindicator, je vais essayer d'aller shooter l'Exocrine. Je crois que je suis à portée, donc peut-être pas bouger. Je vais faire désengager les petits Marines Infernus. On va les faire re-rentrer dans l'Impulsor. L'Impulsor va aller engager la grosse bête pour le garder au corps à corps. Juste avant ça, je vais débarquer ce qu'il y a dedans. Exactement. Ils vont avancer tout droit et probablement charger le Screamer Killer. Donc voilà, on va tenter de le tomber. Je sais pas si ça a marché, mais on espère. Le Land Raider va avancer au mid et essayer de se trouver des angles avec des tirs de Melta pour aider éventuellement. Au mid ici, Champion de l'Empereur et sa squad de frères de paix vont charger les squads du vieux Borgne. Les squads de Primaris croisés vont charger les Gaunt et tenter de faire un maximum de dégâts. Du côté du lieutenant et de Elbrecht, je verrai. Selon le DPS, ce que j'ai pu clean ou pas. Excuse-moi, il y a de la mêlée là. On verra. On verra parce que j'ai pas envie de perdre Elbrecht pour la prochaine partie. C'est quand même vénérable, maître Marshall, haut Marshall. Donc tu penses qu'il a reculé ? Arrête. S'il est dans cette position, c'est à cause de toi. Alors ça suffit. On verra. Et puis le Dreadnought va avancer. Bref, on va continuer d'avancer. Globalement, Black Templar. Tout droit. Fin de la phase de mouvement. Mais avant que tu parles, j'ai une question. Tu sais qu'à Warhammer, tu n'as pas le droit d'aller sur les véhicules. Oui, alors, c'est-à-dire que là, on a eu un plan d'évacuation d'urgence. C'est-à-dire, en fait, Elbrecht était là, ça meulait et tout. Il a one-shot ton bonne clan. Soirée. Il s'est dit, les gars, en vrai, moi, je suis bien avec ça. Ça me va. T'es bien quand même, quoi. En fait, c'est surtout, il était un petit peu fatigué. C'est-à-dire, Elbrecht, la nuit dernière, elle a un peu mal dormi à cause des sports, tout ça. Donc là, il poussait un peu. Et il y a le lieutenant, il est Monseigneur. Monseigneur, allons-nous moucher, on ressortira autour d'après. Que ça veut dire que ça devient ma cible prioritaire, ce putain de Land Raider. Je le mets pas à la prochaine game, c'est un trop beau chausson pour toi. Écoute, moi, j'aime bien les chaussons. C'est très confortable. Écoute, il est là. Là, il se mouche. Prochain tour, il sort, ok? Ok. On fait ça alors. Je dis juste qu'il sortira. Je dis pas vers où il sortira, mais il sortira. Où est-ce que tu as fait arriver tes FEP? J'ai fait arriver mes FEP ici, donc les deux squads de scouts plus la Calidus. On est à 9 pouces du Biovore. Voilà, on va tenter des choses. Peut-être que on va pouvoir le tuer, je pense. Ça devrait le faire. Mais on sait jamais. Les scouts, des fois, ils sont un peu fatigués. Puis voilà, les renforts sont là. On a fait les petits mouvements, rembarquement des Infernus pour les garder pour la prochaine game. Début de la phase de tir, on va activer le Vindicator ici, sur le Aruspex. T'as vu, je l'ai bien dit. C'est vrai, c'est fou. C'est parti, D6 plus 3 tirs. Eh ben, ce sera 2. Eh ben, ce sera pas fou. Ça fait 5 tirs. Blast. J'étais tout seul. Ouais. Sur du 3. C'est propre. C'est pas mal. Et force 14, donc sur du 3 plus. Yes. Eh ben, ça te fait 3 saves à perdre moins 3, monsieur. Sauvegarde à 6. Malheureusement, aucune. Eh bien, ce sera D6 dégâts. Ouh, ben ça 6 et 3, 9 et 1, 10, il reste un PV. Un PV, c'est scandaleux. Je suis large. C'est scandaleux, monsieur. Petit Stormbolter sur du 3. Pépé. Maintenant, c'est sur du 6.
Eh bien, il y en a. Ok. Ben, on va tester le lieutenant Combibolt. Oh. Est-ce que je peux abattre un Aruspex? Excuse-moi, tu voulais pas plutôt libérer ton ami? Non, c'est pas grave. Il fera sa vie. On l'acceptera peut-être un jour, dans des millénaires, je pense, quand les mœurs auront bien changé chez les Black Templars. C'est parti, sur du 3+, le Combi Weapon. On est pas mal. Et maintenant, Devastating Wound sur du 6. Mais non! Mais allez, quoi! Je comprends pas, quel est donc cet écusson? Oh non! J'active Impulsor, tir de Multimelta sur le petit Screamer Killer. Tes petits gros tirs, les autres tirs? Retourne-toi là. Ah, mais il était sur un dé depuis le début, lui, je me disais, il est vachement haut. Retourne-toi, ouais. T'as vu qu'on a gardé le cassé en 3+. Oui, c'est vrai. C'est très un souvenir. Multimelta de l'Impulsor sur le Screamer Killer et les lance-grenades sur les Barbones. C'est parti. Multimelta. Ouh! Force 9, endurance 9, c'est sûr du 4. Oh, c'est terrible ça, hein. C'est terrible. Ouais, je trouve ça plutôt cool. Ouais, je vais pas te mentir. Okay. D6 du coup sur les Barb Gaunt. Eh bien, ce sera 8 tirs. C'est parti, sur du 3+. Hop. Ça fait 5. Sur du 3+ encore. Force 4, endurance 4, ça te fait 3 save PA 0. Ok, sauvegarde à 4. Ok, je prends un point de vie, il m'en reste 1 sur 1. Le Land Raider va tout envoyer dans le Screamer Killer. C'est parti. Vas-y. D6 plus 3 tirs, donc 2D6 plus 3 tirs. Dommage. Ce sera 4 plus 6. Allez, c'est parti. C'est force 6, donc ce sera sur du 5+. Eh ben, c'est 3. 3 save APA moins 2, monsieur, pour 2 dégâts chacun. C'est parti, sauvegarde à 2, qui passe à 4, ignore cover. Écoute, ça me fait 2 PV. Il passe de 10 à 8. Ok, canon d'assaut jumelé sur le Screamer Killer, sur du 3+. Oh, c'est un full, magnifique. Force 6 sur du 5+, Devastating Wounds et jumelé. Ouh, il y en a deux et jumelé. Ah, si on peut aller chercher d'autres 6. Non, mais il y a une save PA 0. Sauvegarde à 2. Non, oh, bah, 3 PV. Il était à 8, il passe à 5. Deux tirs de Melta, c'est parti. Sur du 3. J'ai raté. Petit PC? Non, ça va pas, c'est fini les commandes. C'est fini, c'est terminé. L'attente. Terminado. D'ailleurs, je t'ai vecte, hein. Le dernier tour, j'ai oublié de te le dire. Tu m'as vecte quoi? La reroll de commandement. T'es d'accord, on en est là. Bien sûr, force 9, donc en du 9. Ouais. 4 plus. Toujours pas, hein. Allez, Melta. Melta, ils veulent pas. Stormbolter, 4 tirs. C'est parti. C'était plus piou sur du 6. Ça marche pas. Pistolet à plasma, j'overcharge. Allez! Bien sûr! Ça passe. Je vais te chercher un dé, tiens. Force 8 sur du 5. Joli. Oh, PA moins 3. C'est parti, puis sauvegarde à 2 qui passe à 5. Yes! Oh! Est-ce que je me. Attends! Ok. Il me terrifie ce dé. Je t'en sens rien que t'as pas encore utilisé en plus. Ah, t'en as d'autres? Il est bien, je suis là. Allez, c'est parti, est-ce que je me suicide, mon sergent? Oh, ça tanque! Ça tanque! J'ai eu très peur. J'ai pas vu de truc au début, j'ai eu peur. J'active le Dreadnought Redemptor. Il va envoyer son gros canon dans le Screamer Killer. Et globalement, tout le reste dans les Thermagantes devant. Voilà, j'hésite avec les. Non, l'Icarus aussi, tout. Voilà, okay. Ce sera plus simple. Donc, on est parti. Attention, le Macroplasma Incinérator. D6 plus un tir. C'est bien. C'est bon, ça. Si tu retouffes. The Sursauf. Donc, c'est sur du 3+. Et Force 9, endurance 9. Force 9, endurance 4. Sur du 4. Oh, il y en a 2. PA moins 4, monsieur. C'est parti. Sauvegarde à 2 qui passe à 6. On a vérifié. Je n'ai pas le couvert. Ça sera dégâts 3. Il lui reste 5 PEV. Ouais, et 3 cassés. Et 1 et 3 cassés, ouais, qui traînent dans l'herbe. Allez, il me faut au moins 6 pour qu'il survive. Et ça sera non. Donc, aïe. Il va exploser peut-être sur du 6. Oui, il explose. Oh. C'est parti. Des 3 blessures mortelles sur les gargouilles. Ça sera 2. File le pain à 6 grâce à ce monsieur. Ça fait 2 morts. Je vais faire poup poup. La testique. le tyrannosaurus, bien sûr. Ça sera 1. Ça va 1. Il va 2 PV. Ensuite, tes petits frères de filles sont full PV? Ouais. Ça sera 2. 2 PV? Ouais. Eh ben, file le pain à 6. Eh ben non. Mais il y en a un qui a 1 HP. De l'autre côté, ici, tu as lui. Ça sera 2 PV. Il passe de 12 à 10. C'est parti, donc lui. Allez, un petit 3 là. Et non, 1. Finopena 6. Oh! Et en plus, il s'en fout. C'est magnifique. Il voit une versée de potes aussi, je comprends. Ensuite, on a 7 Exocrine. Il va prendre 1 PV, il va passer à 11. Et c'est tout. Boop. On active l'Inceptor au corps à corps de l'Exocrine. Ce sera 2 tirs de plasma au corps à corps. Vas-y, c'est des pistolets. Pistolet.
C'est sur du 3+, il n'y a pas de moins 1 là, non ? Non. Ok. Force 8, donc sur du 5. 5. Twin linked. Oh, joli. Non. Une save PA moins 3. Ok. Parce que j'overcharge, évidemment. À 6. Non, il prend 3 PV. Écoute, il était à 9, il passe à 6. Par contre, t'as un petit dé chelou là, qui permet de faire les tests de hasard douce. Je regarde même pas. C'est bon. On revient ici, il te restait toutes les petites tirs de saturation sur eux. Il me reste 3 PC, avec ce détachement je pourrais coller moins 1, mais en fait je préfère le faire au corps à corps et qu'il me reste 2 PC pour potentiellement ramener un pack. Donc vous êtes 18, un truc comme ça dans cette escouade. Donc ce sera plus 3 pour le lance-grenade, D6. Ouh, sur du 3+. Et maintenant, force 4 sur du 3+. Et ben, on fait comme ça. Il n'y en a que 2. Ici, j'en ai au moins 2, voire 3 qui sont à couvert, celui-là et celui-là, sur du 5 qui passe à 4. Ouais. On fait comme ça. Là. Ok. Ils ne sont pas dans le 3. Ils ne sont pas dans le 3, ceux-là, non. C'est parti, le Heavy Flamer, des 6 tirs. 4 tirs, c'est honnête. C'est parti, force 5 sur du 3. Ah bah c'est magnifique, c'est un full PA moins 1. Sauvegarde à 6, ignore couvert. C'est parti, 4 sauvegardes à 5 qui passe à 6. Ça fait 0. Et derrière, je suis à côté de mon petit coffrage. Je vais donc avoir un insensible à 6. Et bah écoute, ça fait 4 morts. On est parti des 3 tirs de Icarus pour Rocket Pod. Pff, 3 tirs, allez, c'est parti. C'est force, c'est sur du 3+. Ok, ça en fera que 2. Maintenant, c'est sur force 8 sur du 2. Et bah ça t'en fait 2 PA moins 1. Sauvegarde à 6. Dégâts, s'il te plaît. Et bah 2 chacun. Ok, premier. Non, il meurt. Et le deuxième, il meurt aussi. Dommage. Oup, oup. Est-ce que je prends des dégâts de mon macro plasma incinérateur ? Ça tangue ! Magnifique. On va activer la squad de Grimaldus. On est parti donc. Le lance-flamme du Marshall et ensuite tous les pistolets bolteurs. C'est parti de lance-flamme. D6. 4. C'est force 4 sur du 3+. Oui. C'est magnifique. Tu as 4 saves à PA 0, ignore cover. Sur du 5, je vais en sauver une. Et insensible à 6 grâce à lui. Et ça en fait 2. Ma cohésion n'est pas respectée, j'ai le droit de le faire. Quand je retire des figurines, il va vouloir me charger de toute façon, donc je m'y suis pas sûr. Tu aurais pu surge, mais je pouvais quand même tirer vu que j'ai bibi des pistoles. Ouais. C'est parti, les 4 heavy ball pistoles sur du 3+. Force 4 sur du 3+. Et ben ça te fait 3 safe PA moins 1. Sauvegarde à 6. J'en sauve une, final pain à 6, grâce au psychophage toujours. Et ça me fait 2 morts en plus. Boop, boop. Maintenant, les petits pistolets bolteurs des stagiaires sur du 3+. Maintenant, c'est force 4, sur du 3+, encore, une PA 0. Sauvegarde à 5, ça tank. C'est tanké, c'est beau. Grimaldus aussi, il a un petit plasma. Je vais pas, non, par contre, non. Allez, non, mais ça me saoule de dépenser mes points de camp. Attends, il ne reste pas qu'un PV en plus, lui. Non, il reste 3 PV. D'accord, oui. Oui, mais donc il peut one-shot, lui. Oui, c'est pour ça, on va éviter. Excuse-moi. Il lui reste 3 PV, s'il surchauffe, il peut perdre 3 PV, et c'est un Black Templar qui surchauffe pas, Alpha Cast. Monsieur Cast, ça ne surchauffe pas. Non, là, on va arrêter, parce que j'ai pris trop cher sur les jets de monsieur surchauffe, donc là, on se calme. Écoute, c'est le tour de la pleutrerie. On rentre dans le transport, on surchauffe pas, voilà. Laisse-moi, c'est mon tour, on se fatigue. On reviendra plus fort au tour d'après. Okay. Un tir sur du 2, là-bas, voilà. On va essayer à ce couillon. Juste pour l'hygiène, je vais essayer, juste pour vous montrer, en fait, aussi les mécanismes. En fait, ça permet de bouger D6, potentiellement, pour un PC, je peux bouger plus. Plus la cohésion, là. Ouais, quoi qu'il arrive, il faudrait que je la récupère, mais je vais bouger de D6. Tu pourras, ouais. Et ça sera 6, ça me permet en fait de locker, lui aussi. C'est vrai. Donc, si je l'avais fait plus tôt, ou si en tout cas Alpha avait mal fait son séquencement de tir, bah, j'aurais tout simplement pu l'empêcher de tirer sur cette unité, sauf avec ses pistolets. Et ça aurait quand même diminué un petit peu sa létalité. On active la Calidus Assassin sur le Biovore. En plus, elle le connaît bien. Oui, bah, elle connaît son frère. Elle a l'adresse du deuxième. Des 6 tirs, ce sera 2 tirs. C'est anti-infanterie 2+. Faut toucher. Non, ça lance flamme. Ah, donc on fait comme ça. Là. Donc bah, ça te fait 2 save PA moins 2. Eh bien écoute, sauvegarde à 6. Non. Ok. Dégâts ? Eh bien dégâts 1 chacun. Il lui reste 2 PEV. Il reste 2 PEV ? Oh, c'est un boulot pour les scouts ça. J'ai activé les scouts, on va envoyer des gros lance-roquettes des familles dans les petits gaunts là-bas. Yes, donc ce sont les neurogones qui sont avec le neurotyran et en fait qui, pour information, étendent sa bulle de synapse à ses figurines à lui. J'ai 2 snipers en plus. Oui. Avec précision, je peux tirer sur le neuro. Bien sûr, ouais. On va faire ça alors. On va envoyer les snipers et les 2 lance-roquettes. Alors, les lance-roquettes seront cependant en frag. 2 D6 tirs. Plus 2, puisque je suis 11. Sur du 3 plus, sur du 4 plus, pardon. C'est heavy. On est parti. Force 4, endurance 3. Sur du 3 plus. Cassé. Sauvegarde à 6 et je suis à couvert. En tout cas, je vais prendre ceux que tu ne vois pas entièrement cachés par ce magnifique petit arbre. Ok. Et donc, c'est parti, c'est sur du 5. Ça va me permettre d'en sauver 3. Je vais avoir 2 petits morts. Boop, boop. Le sniper des 2 scouts. Alors, on est parti, c'est 2 tirs sur du 3+. Joli. Force 4. Endurance 9.
Ça va être sur du 6, ça. Eh ben non, dommage. Les shotguns sur le biovore, on est parti. Sur du 3. Tu parles des fusils à pompe Astartès, là ? Les jolis fusils à pompe Astartès. Exactement. On est sur la belle chevrotine. C'est force 4. Endurance 5. Oh, sur du 5. Oh, il y en a deux. Ça peut le détruire. Il y en a deux. Il y a de la PA ou pas ? Pas de PA. Sauvegarde à 4, j'ai pas le couvert. Non, ça va tanker. Je vais perdre un PV. Il m'en reste un. Un beau tremplin, là. Allez, le sergent avec le ball pistol. Il y en a deux, donc deux tirs de ball pistol. Eh ben, ce sera un seul. C'est sur du 6. Eh ben non. Ah non, c'est force 4, donc c'est sur du 5. Yes, c'est bon. Une save, PA 0. Ok, sauvegarde 4. Il est là-bas. Tu veux reroll ? Non, en fait, ça t'offre un tremplin potentiel sur une charge 9, et en fait, faut mieux que je l'ignore. Phase du coup de tir terminée. On va donc commencer la phase de charge, en commençant par le Dreadnought Redemptor sur les squads du Vieux Borgne. Ensuite, les squads du Champion de l'Empereur. Pareil. On va aussi faire charger l'im... Ah non, il est engagé. Bien, bien, bien. On va faire charger le Land Raider dans les gargouilles. Ça, c'est vraiment bas. Ça, c'est vraiment bas. Écoute, écoute, on va scorer les kills de fin juste avec le Land Raider. Donc ici, on va faire charger le judiciaire, le Tyrannocyte et les gargouilles. Vas-y. J'avais pas oublié. Pas du tout. Et on va faire charger la Pulsor sur le Tyrannocyte. La Ruspex. À qui il reste qu'un PV. C'est vrai qu'on pourrait tank choc. Hein. Il pourrait aussi retourner te défoncer si tu le fais pas. C'est vrai. La recherche de papa sur l'escouade du Vieux Borgne, c'est parti. Je pense qu'il y est. Oui. Charge à 5. Je suis venu vous détruire. La charge du champion de l'Empereur sur le Vieux Borgne. Ça va. Je pense qu'il y est. On est sur un petit 9. Charge du Land Raider sur les gargouilles. Je crois qu'il y est. C'est un 1 et c'est un 6. Je pense qu'avec 2 1, ça passait. Je vais faire la charge ici. C'est parti. Je crois qu'elle passe. Petite charge à 7, je crois que ça passe. Oh, elle a débarqué. Il est tombé. Sur le drift. Maintenant, la charge importante, les frères d'épée avec judiciaire sur donc Tyrannocide et sur les gargouilles. Ouais. Pour l'Empereur, ça va. 10. Pour l'Empereur, 10. Début de la phase de combat, je vais activer donc cette escouade. On va avoir, grâce à mon point de commandement que j'ai dépensé tout à l'heure, le plus un, non, enfin le touche fatale et la touche soutenue ouais. Grâce à notre ami Dreadnought. Je vais dépenser un point de commandement pour colère du croisé, qui va me permettre d'avoir plus un PA. Ok. Voilà. Et qui va me permettre de faire des bonnes grosses attaques qui font très mal. On est parti, première phase d'attaque, donc j'ai full reroll parce que tu es le serment de l'instant. Là d'abord c'est le Marshal, donc d'accord. C'est le gars qui a un combi weapon, c'est celui-là. C'est lui qui tape en premier. Ok. 4 patates, c'est parti sur du 2+, et les 6 font touche fatale et sustained. Je reroll, serment de l'instant. Ok, donc là j'ai une blesse auto et j'en rajoute une ouais. Grâce au sustain. Maintenant, je suis force 5. Endurance 9. Eh bien, ce sera sur du 5+. Eh bien, ça t'en fait une. 2 sauvegardes à PA moins 3. Ma sauvegarde à 2 passe à 5. Et j'en sauve une, ses dégâts 3. Ok. Il avait 6 PV à cause du bombardement orbital. Il en perd 3. Il en reste 3. On va envoyer maintenant le marteau tonnerre. 3 patates. Ce sera force 8 sur donc du 5, encore une fois. Oh là 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 là, vraiment, hein. Il me laisse tomber au pire moment, lui, hein. Power Weapon, ce sera sur du 3+, 8 attaques. Oh, il y en a 2. Et je vais à Grid. Allez. C'est parti. Eh ben. Eh ben, ça part, mais ça revient. Mais donc, t'as 3 touches auto. Maintenant, c'est force 5 sur du 5+. Oh, joli. Oh, il est beau. C'est parti, j'ai 7 sauvegardes, PA moins 3. Je vais les faire 2 par 2 parce que c'est dégâts 2, il lui reste 3 points de vie. Sauvegarde à 2 qui passe à 5. Eh bien écoute, il va mourir. Il est mort. Est-ce qu'il explose ? Ça sera après. Hop, et derrière, on a lui, c'est la même chose, remarque. Ouf. Il va prendre 2, 4, 6 points de vie. Plus, on voit s'il explose. Est-ce que Feel No Pain à 5 ? Si Feel No Pain à 5. Oui, en plus, ouais. Bon. Insensible à 5 sur lui. Et écoute, il va en tanker 2. Il va prendre 4 points de vie. Et donc, ça fait... Boop. Il lui reste 5 points de vie pour l'instant. 5 PV, on va envoyer les griffes éclairs. C'est parti sur du 3+. Il y en a une. Je reroll parce que je grid. Ah, une grid qui est pas mal. Donc, 2 blesses auto et il y en a donc 2 qui reviennent. Maintenant, c'est force 5, donc sur du 5. Ouh, mais non. Mais en plus, c'est Twin Link, mais pas besoin. C'est parti, 6 sauvegardes à 2 qui passent à 5. Écoute, je vais en sauver qu'une, c'est le drame. C'est dégâts 2. Dégâts 2 chacun. 5. Ouh, joli. Je prends 2 PF pour l'instant, je dois refaire. Il lui reste 3 points de vie. Oh,
Il reste un point de vie et ça c'est beau. Ça c'est un boulot pour le. C'est un boulot pour le champion de l'empereur. S'il se rate, par contre, c'est un peu la honte. C'est vraiment la honte. Champion de l'empereur, l'épée noire. On est parti. On va envoyer. C'est quoi son histoire, ce mec? Son histoire, c'est que c'est un Black Templar qui un jour a eu des visions de l'empereur. Il va voir les supérieurs. Les gars, j'ai rêvé d'un mec avec les cheveux longs. Il y a pas un chaplain qui arrivait en disant c'est pas normal. Eh ben le chaplain lui dit c'est pas normal. Tu sais quoi? T'as l'air taré. On va te filer l'armure de ouf, l'épée de ouf, et tu vas foncer, challenge tous les leaders de l'adversaire. Dans ça passe plutôt bien. C'est dangereux. Dans d'autres périodes, c'est dangereux de faire. C'est ça. Vrai. C'est vrai. Allez, c'est parti. Les six patates. On va prendre le profil Strike évidemment parce que quoi que. Enfin non, allez, on va s'assurer. T'es endurance 9. T'es endurance 9. T'es force 9. Et non, je suis force 8. C'est nul. C'est nul. Du coup, il est pas si malade que ça. On va balayer. On va la mort par un million de piqûres. C'est parti sur du 2 plus. Eh ben. Il semble qu'il n'y a pas de crit. Oh, j'aime ça. Monsieur, on est là pour jouer. J'aime bien, moi aussi. J'aime beaucoup moins ça. Oh là, t'as un cri. Maintenant, je suis force 6 sur du 5 plus. 6 sauvegardes. PA moins 3, sauvegarde à 2 qui passe à 5. J'en sauve, c'est beau, mais j'en sauve 3. Et ses dégâts? Ses dégâts 2 à chaque fois. Finn Le Pen à 5. Non, malheureusement, là. Il va mourir. Il va même mourir bien. Est-ce qu'il explose, ce petit monsieur? Non. Et il sera pas dans le 3. Non, il sera pas dans le 3. Je suis tout triste. On est parti. Le Land Raider dans les gargouilles sur du 4+, 6 patates. La vache. Bah, il est motivé, hein. Plutôt motivé. C'est un au-dessus de la stat. Force 8 sur du 2. C'est parti pour 4 sauvegardes sans PA, donc sur du 6. J'en sauve une et derrière je vais en retirer 3 et je suis à côté de mon psychophage sur du 6. Écoute, je vais en avoir 3 de plus. On a notre quota qui est rempli, c'est bon. C'est bon les gars. Bah maintenant on se téléporte tous. C'est bon, on s'en va. Et je vais faire poup 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 pour savoir si jamais tu veux te rapprocher de moi avec ton pilin. Bah non, j'ai pas envie. Ok. Pourquoi je me rapprocherais? Je ne sais pas, je te pose la question. Ah, mais ça te permettra d'avoir moins 1 si je suis encore au cac et que tu peux plus bouger. Donc non, je vais pas aligner sur toi, oui. Et du coup, je pilin. Ah, mais je vais quand même rester caché. Avec le bout du cul à couvert. Voilà, ok. Et ben voilà. Maintenant, activation des frères d'épée avec le judiciaire sur donc la magnifique testicule géante. Ok. C'est parti. La lame de bourreau du judiciaire sur donc cette œuvre d'art. Sur du 2+. Force 7. Endurance 9. Et ben sur du 5. Devastating Wound pour 3 dégâts. Et ben il est mort. Bon, on fait comme ça alors. On fait comme ça. Est-ce que voilà. J'explose? Non. Ben voilà. Boop. Et toutes les autres attaques partaient dedans. Il m'en reste une, j'avais peur. Oui, je t'en laisse une pour la dernière. À moi de taper, je vais me retourner et je vais mettre toutes mes attaques dans lui. Ça me fait 14 attaques sur du 3. Pardon, sur du 4, puisqu'il me reste qu'un point de vie, bien évidemment. Ah oui. Force 7, endurance 9. Je suis sur du 5. Et écoute, ça va quand même t'en faire 3. C'est PA moins 1 pour 2 dégâts. 3, PA moins 1, donc sauvegarde à 4. Et bien écoute, et ça fait 4 dégâts. 4 dégâts? Ouais. Et bien il en reste 7. Et c'est maintenant qu'on voit s'il fallait charger ou pas avec mes 4 attaques de grosse pince. C'est parti, c'est sur du 3. Moins 1, 4. Oh non! Force 14 sur du 3. 5, ça passe. Et c'est PA moins 2 pour D6 plus 1 dégâts. PA moins 2, invulnérable à 5. Oh, joli. L'empereur protège. C'était une belle charge. Magnifique. Parce que j'étais juste à côté de toi. Ça pouvait mal finir. Maintenant, les moufles. Celui qui fait de la lumière, là. La grosse moufle derrière. Donc, lui assiste son pote pour pouvoir me taper. Exactement. Sur du 3+. Ouh, il y en a une en plus. Force 8, cependant. Endurance 11. Sur du 5. Joli. Oh, ça t'en fait 3. PA moins 2 pour 2 dégâts. C'est parti. Invulnérable à 4. Combien de dégâts? 2. Ok, Finn Le Pen à 6 grâce à lui. Yep. Non, 2 PV. Il y en reste... 12. Il est tard. De ce côté-là, il y a trop d'attaques. Et puis en plus, j'ai compris que Grimaldus était un mec plutôt agressif. Plutôt énervé. Je préfère qu'on retire les pertes. 1, 2, 3, 4. Bon, t'as capé de toute façon les 150. On va tout simplement les retirer. Il me reste 3 PC et je vais prendre un instant pour réfléchir pour savoir si je veux faire revenir le pack à ma prochaine phase de commandement. Après moult réflexions, mais ne vous y méprenez pas, je vais bien utiliser 2 PC pour pouvoir faire revenir cette escouade-là. Tout simplement pour avoir un petit peu de saturation. Et encore une fois, chaque mort que je fais ne sera pas là la prochaine fois. Et donc, je vais pouvoir les faire revenir et balancer un bon nombre de tirs. C'est parti, je vais activer le Malceptor puisque tu es venu me lock. Pour information, ici, comme avec un mouvement de 3, il ne finirait pas à 1 d'unité ennemie, même s'il a chargé, malheureusement, il ne peut pas bouger. Donc, on va enchaîner avec le Malceptor. Je vais décider d'utiliser les grosses pinces, mais en profil le découpage. Et donc, je vais faire 6 patates sur du 3. Force 7, endurance 4, c'est sur du 3. Écoute, ça va t'en faire 3 pour moins 1 PA et dégâts 2.
Et à moins 1, bah, je vais tanker sur mes Marines avec des moufles. Donc, yes, de toute façon, il y a lui qui n'avait pas le choix que de prendre un point ça. B. Donc première save sur lui, save à 4. Non, Fino Pain à 5. Eh ben, il meurt. Save à 5 pour le scout. Eh ben non, toujours pas. Fino Pain à 5. Joli. Oh, eh ben il lui reste un PV. Fino, save à 5 encore. Eh ben, il va mourir. Voilà. Ouais. Ok. Eh ben, du coup, je vais enlever ce petit père et ce petit père. Et ici, je vais décider tout simplement de ne pas bouger, donc de ne pas faire mon mouvement de consolidation, de mise en contact. Et je ne vais pas, enfin, je vais taper, mais voilà, ça va pas faire de dégâts ici. Fin de mon tour, du coup, on a eu beaucoup, beaucoup de morts au mid, donc maintenant on a atteint l'objectif de purge. C'est on donc a, une victoire déjà. C'est une victoire, on a établi une tête de pont sur la planète, on a réduit la menace tyrannide, et là on va essayer de les faire fuir tout en conservant nos forces pour la prochaine bataille. Donc là on va essayer de faire survivre un maximum de monde, ça va pas être facile. Début de mon tour 3, je vais passer de 1 à 3 points de co parce que le Swarmlord est encore là. Pour l'instant, c'est une victoire d'Alpha. Moi, je vais sauver les meubles. Et aussi, à ma phase de co, je vais quand même déclarer l'ombre est dans le warp. Je préfère le faire à mon tour, tout simplement, pour voir quelle unité va être ébranlée. Et en fait, si elle l'est, tout simplement, comme il a un PC, l'empêcher de faire une armure du mépris et donc potentiellement marteler dessus. Donc, je vais te demander de faire, s'il te plaît, un test de co avec toutes tes unités. Le Land Raider, il n'est pas choqué. Les frères d'épée avec le Judicia. Ils sont pas choqués. Au choc, moins une. Sur du 5, t'as moins 1. L'impulsor, il est pas choqué. Pourquoi j'ai moins 1 parce que j'ai... Parce qu'en fait, c'est un euro tyran qui balance l'ombre dans le warp. Donc en fait, en gros, tu sais, j'ai t'as moins 1 sur la table. Le Vindicator, il est pas choqué. Oui. Il est pas choqué. Attends, c'est cassé. Mais bon, bon 6, ça fait 6, donc de toute façon, ça passe. Drop pod. Il est pas choqué. Franchement, si c'était Drop lui, pod, pas choqué. C'est quoi ces jets là? Impulsor. Ah, il est choqué l'impulsor. Ah, ça c'est bien. Ça va tout changer. Ça, ben, ça c'est peut-être lui que je vais focus. La squad de Grimaldus. Ils sont pas choqués. C'est 7. Papa est à 5. Mais est-ce que je suis à portée de ton gars pour... Ah, c'est sur la table. En fait, c'est, ah, c'est, quand, c'est table, lui qui... Fait, quand j'ai l'ai dans mon armée, t'as moins 1. Bah, papa donc, lui est choqué. Alors ça m'embête un peu parce que lui, il a moins 1 dégâts. Donc autant vous dire qu'il va falloir se lever de bonne heure pour tenter de le snipe. Un champion de l'Empereur. Pas choqué. Les scouts. Scout 1. Eh ben, choqué. Scout 2. Pas choqué. Bon, l'un des deux, on s'en fout un peu. Ouais. Et Calidus, pas choqué. Infiltrator, pas choqué. C'est parti, phase de mouvement. J'hésite vraiment parce que là, il a un stratagème qui m'empêcherait potentiellement de désengager sur un 4+, et ils sont pas ébranlés, c'est aussi ça qu'on voulait voir avec Alpha. Et mon Swarmlord aurait potentiellement pu, avec une belle charge, y aller. Je vais pas vous mentir. J'ai fight first. Il est en train de voir, en plus, il est en train de voir la map comme ça, et il se dit, ça pue la merde. Ça pue un peu. Il connaissait pas ce mot, il l'a appris en écoutant les Black Templars qui sont très vulgaires. Et il a dit, ça pue la merde. Quand il a entendu le champion de l'Empereur au fond de la map, sale bête, viens ici. Vraiment, il l'attend. Je vais te dire qu'il m'a donné assez de PC. Je vais tout simplement, à la phase de mouvement, rentrer à ma maison. Uh-huh. C'est-à-dire que je vais aller dans l'autre carte, je vais malheureusement fuir comme une bête rampante. Ce qui me va très bien. La queue entre les jambes. Enfin, les queues entre les jambes. Exactement, ce qui me va très bien. Et au moins, bah, on assure la suite de la campagne. Yes. Et donc, c'est pas complètement une défaite tyrannide pour l'instant. Ok, ok. Ensuite, ici, je vais tenter un désengagement. Est-ce que tu veux utiliser un stratagème? Bien sûr. Je n'aurai plus de points de commandement pour une armure du mépris, mais j'aime bien faire ce stratagème pour ensuite me plaindre parce que je fais pas 4+. Et, tu Danus? Bon, il n'y a pas de problème. Allez, sur un 4+, no escape. Oh, no escape! Tu restes là, mon petit père. Tiens, la gargouille par le cockback. Tu restes là, toi. Alors, plus sérieusement, là où c'est un super move d'Alpha, c'est qu'en fait, en faisant ça, il m'auto-bloque mes deux molocs. Et ça, c'est cool. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, le pack de Gaunt est arrivé ici. J'ai une stratégie. Ah, hein. Bien sûr, pour la première fois. Ok. On va commencer donc la phase de tir. Ici, on va commencer avec lui, qui va mettre ses D6+3 tirs dans l'impulsor. C'est parti. Écoute, ça nous fera 6. Ça touche à 3+, à 2+, je n'ai pas bougé. Fais ta foule. C'est pas mal. Et par contre, c'est ça que j'aurais préféré faire après, parce que je suis force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Écoute, ça va t'en faire seulement 2, malheureusement. PA moins 3, mais t'as le couvert. PA moins 3, bah j'ai un vu à 5. Un vu à 5. Eh ben, une qui passe, 3 dégâts. Ouais. Filnopain à 6.
Mais comment ça? C'est un tir inutile. L'empereur protège les blindés. Oh, incroyable, quoi. Ensuite, on a lui. À partir de Julien, ça. C'est parti, ensuite, je vais activer lui. Je suis engagé au corps à corps, je vais donc avoir moins 1, mais j'ai une arme lourde. Ça veut donc dire que je vais équivaloir, donc je vais rester en 3+. Des 6 tirs, blast, déflagration, ils sont 10, ça va donc me faire plus 2. Ça va faire 1, plus 3, 4, plus 2, 6. Je vais séparer les amis, je vais passer à 2. Je relance le nombre de T. 4, c'est mieux. Ça fait 4 et 3, 7, plus 2, 9. C'est parti, c'est sur du 3. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. 2, 4, 5, s'il te plaît. Bah, on va commencer avec 3 saves de Marine sans armure. Vas-y. Sauvegarde à 5. Eh ben, il y en a une. Dégâts flat 3, tu peux tenter FTFNP. Une autre. Bon, bah voilà, il y en a 3 morts. Donc, sur les Marines en armure, ça fait 3 FNP. Première film de pain à 5. Eh ben non. Un c'est, mort. Ça, c'est un Marine ou un scout? C'est un Marine, ça. D'accord. Deuxième film de pain à 5. Eh ben non. Pile poil. Film de pain à 5. Il reste, il en reste une dernière qui va certainement le finir. Sauvegarde à 5. Oui, c'est ça, sauvegarde à 5 encore. Eh ben non. 3 film de pain. Oh, joli. Presque, mais ça non. Et ben, ça fait 3 Marines morts. C'est parti, je vais maintenant activer mes Thermagontes. Les Thermagontes, ils vont faire chacun 2 tirs à 18. Je suis pile poil 18 de cette unité avec tout le monde, bien évidemment. Et ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser un stratagème de mon détachement de l'essai infini qui va me permettre, sur une unité justement de cet essai infini, de pouvoir avoir touche soutenue 1. Et si dans mon unité, je suis plus de 15, alors ça se critera sur du 5 et pas sur du 6. En plus de ça, je rappelle que je viens de tirer avec un exocrine dessus. Je vais donc être relance D1, donc 4+, relance D1. C'est parti. C'est beau. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, Alpha. Ça me fait plaisir. Relance D1. Eh ben voilà. En plus, tu l'as classé direct. C'est magnifique. C'est le skill, ça. Ça, c'est l'organisation, ça. Je suis un mec. Ah ouais, t'es hein. C'est parti. On est toujours dans la première salle. Je suis force 5 contre de l'endurance 4. C'est sur du 3+. Force 5? C'était force 4, c'est donc sur du 4. On est donc à 11 sauvegardes sur la première salve. Deuxième salve, toujours 20 tirs sur du 4, relance D1 et sur du 5, ça fait une touche en plus. Elle est moins dégueulasse. Ouais, moins dégueulasse. Elle est pas mal quand même, hein. Relance D2. Non, on est parti, toujours force 4, endurance 4, sur du 4. 4 par 4, parce que c'est les scouts qui vont d'abord tanker, sauvegarde à 4. Et ben, c'est... Ben, ça fait direct, pas mal. Fin de pain à 5. Yes. Ça fait un mort. Maintenant, encore 2 à 4. Non. Fin de pain à 5. Non. Un PV. Sauvegarde à 4. Non. Fin de pain à 5. Non. Voilà, tous les scouts sont morts. On est parti sur tout le reste de la squad, sauvegarde à 3. Ouf, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Ah, la vache. Ah, mais ça, c'est la saturation. On se sent comme Heavy, là. Fino Pain à 5. Ah. C'est un petit peu mieux. Ça. On la remercie. Alors, on va avoir donc le frère d'épée qui va mourir. Et ensuite, eh ben, il reste plus que Grimaldus. Ah ouais, parce qu'ils ont un PV. Ils ont un PV tous. Il reste plus que Grimaldus. Faut le sauver, les gars. Faut le sauver. Faut pas qu'il meure. C'est parti. Je vais activer le psychophage parce que je vois très bien depuis tout à l'heure que t'essaies de lock et tout, qui te fait un petit peu peur. Mm-hmm. Je n'aime pas les animaux comme ça. Mm-hmm. C'est parti. Je vais te tirer dessus des 6 touches de lance-flamme. C'est cassé. C'est 3. 3 touches. Yes, ça tombe, il reste 3 PEV. C'est parti, force 6, PA moins 1. Donc c'est parti, sur du 3. Oui, oui. Ça en fait une. Oui. J'ai été obligé de finir encore, c'est très bien. Dommage. Ça fait une PA moins 1. Ouais. Sauvegarde à 4. Oh, non. Ouais. Fino Pain à 5. Oh, c'est tranquille. Ça va faire un beau duel, ça. Ça, fait ça c'est beau, ça. J'aime bien. C'est beau, ça. J'aime bien. C'est beau, je... Je parle comme Gérard Depardieu. C'est parti. Je crois que tu t'es rapproché à portée de tentacule. Mm-hmm. C'est parti. Je vais te faire un tir sur du 3. Je suis engagé au corps à corps, moins 1. J'avais qu'un PV, c'était moins 1 quoi qu'il arrive. Donc c'est capé. Sur du 4. Sur lui. Ça passe. Aïe, 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 aïe. Force 6. Endurance 4, ce petit monsieur. C'est cassé ou c'est pas cassé? Bah, ça, c'est si. Écoute, pour moi c'est cassé. Les gens te jugeront. Je laisserai les gens te juger. C'est cassé. Pour moi c'est cassé tous les jours. Non! Je suis récompensé. C'est PA moins 2, dégâts D6 plus 1. PA moins 2? Ouais. Sauvegarde à 5? Ouais. Y'a aucun problème. Oh, oh là! Cette nonchalance ne me plaît pas. C'est moi! C'est mon costume! J'ai rebondi sur ton décalco Alienware. C'est ça. Hashtag. C'est parti, on est sur une petite phase de charge, on va commencer par le Moloch sur lui. Mais ça passe. Oh non. Oh non, mon Inceptor. Et bien évidemment, le psychophage. Mm-hmm. Il va y aller. Mm-hmm. Il va y aller. C'est parti, on va commencer bien évidemment par ce petit duel ici. On a le psychophage qui va me lancer D6 plus une attaque.
Ouh, ça fait 5, c'est pas mal. C'est pas mal, 5. C'est trop, je trouve. Je vais toucher à 3 en plus. Oh, oh non. Oui, oui. Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, il y a un monde dans lequel il peut mourir. D'ailleurs, je suis force 6, anti-psychiatre 4+. C'est pas un psychiatre. T'inquiète, c'est pas un psychiatre. S'il y en a bien un qui est pas... Enfin, s'il y a bien un mec qui est pas... C'est sûr. Non, non. C'est parti, c'est force 6, endurance 4, sur du 3. Oh, yes. C'est PA, moins 1, dégâts 2, et c'était blessure dévastatrice, mais malheureusement, il n'y a pas de 6. Sauvegarde à 4. Oui, c'est tanké. Si il se retourne, il fait... Il m'a chargé. Ah là là, il est là. Je vengerai mes frères. Les 23 corps autour de lui, là. Je les vengerai tous. C'est parti, Grimaldus. 5 patates de bonk stick. On est sur du 2+. Touche soutenue, c'est toujours actif. Enfin, grâce à notre seigneur Dreadnought. Sur du 2+, full reroll, grâce à sa règle. Je crois qu'il n'a pas sa règle, puisqu'il ne lead pas une unité ouais. actuellement. Donc, touche soutenue. On est sur 6 patates. Force combien ? Force 6. Endurance 9 sur du 5 ? Sur du 5, allez. Pour l'empereur. Père moins 2, monsieur. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Ça passe. Oh, en plus, il tanque. Oh, bien sûr qu'il tanque. Oh là là. Bien sûr. Phase de corps à corps, le no escape qui paye. On va pouvoir taper l'unité de gargouille maintenant. Et je vais utiliser un petit PC pour bouger très vite avec plein de nuées et donc avoir moins 1 pour être touché. Ça marche au tir ou au corps à corps. Ah, mes yeux. Donc, je vais choisir de ne... pas utiliser... Le plus 1 damage, je vais augmenter les attaques. Donc yes. plus 1 attaque par modèle. Donc on est parti. Le judiciaire d'abord sur du 2+, qui passe sur du 3+. Il tape en premier, mais ça ne change rien. Et ben c'est là il fait du bien le moins 1 là. Il fait du bien. Maintenant c'est force 7, donc c'est sur du 2+. Et ben ça t'en fait 3 PA moins 2. Ok, bah 3 morts. Voilà. Et je vais les retirer toujours par l'arrière, comme ça, quoi qu'il arrive, moi aussi je vais tenter de te loquer. Yep. Donc ça va faire 3 points de vie. Et je suis plus à portée de mon psychophage. L'épée énergétique de maître sur du 2+, qui passe sur du 3+, 5 patates. Eh ben, des 1, on en a des 1. C'est force 5 sur du 3+. Eh ben, t'en as 2, PA moins 2 encore. Boup, boup. Sur du 4+, les épées énergétiques. Vas-y. Ben c'est plutôt... C'est stats. Plutôt bien, hein. Sur du 3+, force 5. Bon, c'est dégueulasse. Oh, t'en as qu'une seule, PA-2. C'est quoi, celle-là, je te l'offre. Ça sera ton porte. Allez, le marteau tonnerre, ça va être incroyable, sur du 5. Voilà, il y en a une. Force 8, sur du 2. Super, mais ben, c'est raté. Et enfin, on va finir avec les griffes éclairs. 6 patates, sur du 3+, sur du 4+. Oh, il fait mal, le... Il fait mal. C'est force 5 sur du 3+, mais jumelé. Elle passe, ça fait 3 morts supplémentaires. Ça fait 3 morts PA-2. Poup, poup, poup. Il en reste 7. Je vais activer le Land Raider. Ouais. Le Land Raider, pareil, sur du 5+, je me sens tôt d'un coup. Eh ben, il est un peu motivé. Ça lui fait 2 patates qui passent. Force 8 sur du 2. Eh ben, ça te fait 2 safe pieds de 0. Sauvegarde à 6. Et non, 2 morts en plus. C'est parti pour mes puissantes 14 attaques sur du 3 qui passe à 4 parce que j'ai plus qu'un point de vie. Oh, c'est nul. Ouf. Tu vas pas le sécher. Ça en fait que 2. Ah non, 3. Ouf, je suis sauvé. Ça en fait 3 sur du 5 maintenant. Force 7, endurance 9 sur du 5. Écoute, ça va t'en faire une. Permois 1, sauvegarde à 4. Eh ben, une qui passe, dégâts 2. Ouais. Finopène à 6. Non. C'est bon ça, il lui reste combien de PV ? Il lui reste 5 PV. Ensuite, je vais utiliser mes puissantes pinces Celti. Mm-hmm. J'en ai 2 et 2. Okay. Ça me fait 4 attaques. Okay. C'est sur du 3 qui passe à 4. C'est ça. Oh. C'est bon ça, je suis force 14 mon gars, c'est sur du 3. 3. Putain, j'en peux plus. C'est PA moins 2, j'ai plus de PC, j'ai plus rien. Sauvegarde à 5. Oh, oui. Ça, c'est parce qu'il a touché mon syndrome pod. Oh là là. Oh, j'ai des souvenirs de Devil Fish qui meurt pas là, avec eux, c'est incroyable, j'adore, je me régale. Putain, c'est nul, c'est ouf. Franchement, c'est nul. Il est taillé pour la guerre, c'est vrai. Ouais, bah, pas pour toutes les guerres. Taillé pour plutôt de couper le chorizo, quoi. Plutôt ça pour le moment. Ok, il me restait. Tu avais oublié le Moloch ? Moi aussi. C'est parti, écoute, c'est drôle, il a 16 patates, assez énervé. Mais en fait, je vais d'abord utiliser la langue, c'est-à-dire sa langue extensible, qui va faire une seule attaque sur du 3. Franchement, je suis tout triste. Okay. Parce que c'est blessure dévastatrice 4+, et ça fait dégâts 3. C'est pas grave, écoute, je vais utiliser 16 patates maintenant. 16 16 Pourquoi tant de violence? 16 patates maintenant sur du 3. Oh, putain. Ouais, c'est sûr qu'il meurt, machin. C'est force 8, mais c'est dégâts 1. T'as rendu 6 sur du 3. Allez, PA moins 2, dégâts 1. Il y a un double. Ah oui. Sauvegarde à 5. Il va vivre ce con. Je me régale. Oh, je me régale.
6 Non. Un PV. C'est que c'est super stylé parce que de la manière dont tu le dis, faut quand même imaginer le mec qui se régale. Il est avec deux places par cabas, tu vois. J'en ai rien à foutre. C'est parti, l'exocrine, elle va taper 3 attaques sur du 3. Ça en fait 2 qui passent, force 7, c'est sur du 3. Ça en fait 2 sans PA, s'il te plaît. Sauvegarde à 3. Oui. Oh. Oui. Il surfit. Mais non. Oh, je me régale. Écoute. Écoute. Écoute, j'ai beau chercher, j'ai plus de ressources. Il défend ses cartes, écoute. C'est occupé sur d'autres fois, apparemment, le sweet de la ruche. Et malheureusement, cet échec à un point de vie va sonner la fin de mon tour 3. Je m'en fiche. Le Swarmlord, il est au chaud, il est parti dans une meilleure cité russe. Gérer d'autres trucs. Exactement, mais il se fasse préparer. Tardez pas trop, les gars, à attaquer, parce que franchement, ils vont revenir avec du lourd. Et on va pouvoir enchaîner sur ton TK. Début de mon tour 4, là on se prépare à la suite du scénario, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de pertes. On continue de pousser la charge avec les unités les plus balèzes, mais on va mettre à l'abri les frères d'épée qui sont quand même des ressources très 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 précieuses. Donc les Black Templars se cachent un petit peu là. Voilà, on est rentré rejoindre Elbrecht qui voilà faisait il jouait au Scrabble. En fait, il a dit qu'il sortait, puis je sais pas, il est vite fait motivé quand même sur le tour 4 là. Donc on va les garder bien au chaud dans la dinde de Noël. On reste au corps à corps avec les gargouilles. Donc on a les 5 frères d'épée, le judiciaire, lieutenant Elbrecht. Là on va avoir Grimaldus tout seul parce que je veux qu'il survive. Et la squad du champion de l'empereur qui va rester à couvert parce que là les deux exocrines me font un peu peur quand même. Yes, tu as mis ton serment de l'instance sur le Malceptor. Tu es passé de 1 à 2 PC, mais t'as claqué un PC pour lui mettre un autre V. Il te reste donc un PC, moi je suis passé de 0 à 1. Et on va pouvoir enchaîner avec la phase de tir. Phase de tir, Vindicator qui va tout envoyer sur le petit Exocrine à qui il reste 11 points de vie. C'est ça, et il va envoyer ses Stormbolters dans le petit père ici. C'est parti. D6 plus 3. Ouh, 5 plus 3. Ça va faire mal. Sur du 3 plus. Et bien, c'est pas trop mal. Maintenant, c'est force 14, donc on est sur du 3 plus encore. Ouais. Ça te fait 3 PA moins 3. C'est pas 3 couvert. PA moins 3, sauvegarde à 6. Ouf, ça en fait 2, c'est dégâts combien? D6 chacun. Ok. Ouf, ça fait 9. Ça fait 9. Il me reste 2 PV. 2 PV? Ça, c'est un job pour le Melta, on l'espère le Melta. Les Stormbolter dans le petit père ici. Non, t'as pas le droit de sécher là-dessus, je te le dis tout de suite, on a un duel épique. Oh si, c'est sur du 4 parce que t'es au corps à corps. Ça en fait 2. Force 4 sur du 6. Yes. Non, non, non. PA 0. Non, je vais le faire en chantant. Non. J'ai essayé. Ouf, c'est pas cassé ça. Les gens jugeront. C'est pas cassé. Ok. Ben voilà, on va activer l'impulsor qui va balancer tout ce qu'il a sur le petit père ici. Donc on est parti. Le Melta, les deux tirs de Melta sur du 3+. Ah oui, je suis au corps à corps, 4+, mais ça change rien. Force 9. Endurance 11. C'est sur du 5+. C'est terrible, hein. Les Melta, là, à chaque fois, ils me laissent tomber. Les lance-grenades, 2d6. Bah, ce sera 6. Et ça fera rien. Spoiler, ça fera rien du tout. 3+, 4+ même. Et bien voilà, ça en fait 3. Et maintenant, c'est sur du 6. Il n'y en a pas. Voilà. Je veux dire, à aucun moment, j'ai eu peur. La fin du rêve. J'active du coup le Land Raider. On va envoyer les deux lance-flammes là-dedans et tout le reste là-bas. C'est parti. 2d6 tirs plus 6. Ok. Ouais. Je pense qu'on peut les retirer. C'est parti du coup. Le canon d'assaut jumelé, 6 tirs. 6 tirs sur du 3+. 4+. Bah non, 3+. T'es engagé au corps à ce moment-là. Ah, c'est vrai, ouais. T'as raison. Eh bien, ça en fait 4. C'est force 6. Endurance 11. Sur du 5+, et les 6 Devastating Wound. Je suis large. Oui. Il y en a une. Et il reste un PM. Twin Link, t'attends. Oh non. Ah non, pas là-dessus. Oh non, mais il y en a quand même 2. 2 PA. PA 0. Il me reste un PC. Sauvegarde à 3. Sauvegarde à 3. T'es sûr que c'était pas celui-là? Non, bah écoute, je crois qu'il va mourir. Hein. Est-ce qu'il explose? Non. Poup.
On va activer l'impulsor, donc on va envoyer les deux tirs de Melta dans le petit père ici, et tout le reste, les lance-grenades, blast, dans les Termagantes. Yes, tu fais bien de dire blast, puisque je vais utiliser le stratagème de préservation de ce détachement qui, pour un PC, fait que mon unité, si elle contient plus de 5 figurines, n'est pas concernée par la règle déflagration. Et je suis à 0 PC. On est parti, les tirs de Melta pour commencer. C'est pas la signe du serment de l'instant, donc ce sera sur lui. C'est parti sur du 3+. Les Melta pendant toute la game, ça a été cata. Maintenant, les 2 des 6 tirs de lance-grenade. Bah, ça fera 4 tirs. Voilà. On les prend. C'est mignon. Sur du 3+. Eh ben, ça en fait 3. Maintenant, c'est force 4. Encore sur du 3+. Eh bien, ça t'en fait 1. PA 0. Je vais la prendre à couvert, comme ça, j'ai une 4+. Voilà. Magnifique. C'était annoncé. On va envoyer tous les tirs du gros papa sur le psychophage. Et on va regarder le corps à corps pour le Maliceptor. Le lance-grenade, d'abord, des 6 tirs. Ce sera un tir sur du 3+. Voilà. Il n'est pas important celui-là. C'est ça. Le lance-flamme, des 6 tirs. Oh, 5 tirs. Force 5 sur du 6. Non, c'est en du 9, ça, non? Ouais. Donc sur du 5. Eh ben, c'est super. On voit le plasma. Oui, j'y vais. Tu surchauffes? J'y viens. Oui, je surchauffe. Icarus Rocket Pod, des 3 tirs. Ce sera 3 tirs sur du 3+. Magnifique. Joli. Force 8. Sur du 5. Presque. Je ne vole pas. 1. PA moins 1. Je suis pas intégralement dans le couvert et tu me vois intégralement. Quand on tire sur lui là. Ah, excuse-moi. Je suis en pleine pampa. C'est PA moins 1, ma sauvegarde à 3 passe à 4. Ça tank. Oh là là, allez, bon, allez. Bon, ok, tu l'auras voulu. Le macro incinérateur à plasma, D6 plus 1 tir. Surchauffé, bien sûr. Oh, elle est belle. Ça, c'est bon, ça. Ce sera 6 tirs, surchauffé évidemment, on est sur du force 9, mais d'abord du 3+. Eh ben c'est pas grave. Maintenant, c'est force 9. Endurance 9, sur du 4. Ça t'en fait 2, PA moins 4. C'est parti, c'est dégâts 3, Finopen à 5. Écoute, je vais en prendre 2, il va en prendre 3, il était à 7, il tombe à 4, et tu vas me dire, il en manque une, je voulais garder mon petit dé. Yes. C'est quoi le dé là? C'était mon film de pain le dernier. Ah ok. Ça me faisait plaisir de voir une face. Eh bah écoute, moi j'ai le mien aussi, Hazard 12. Oh, là, c'est cassé. Voilà. Ah, il est cassé ce dé là. Il était bien ça cassé. Ça fait longtemps qu'on a pas vu le soleil. Hein. Il était très cassé. Je vais utiliser le tank ici et on va à tank shock, j'en peux plus de lui. D'accord, donc phase de charge. C'est parti. Elle passe. J'en profite pour un peu gratter des pouces. Bien sûr. Il reste un PV, donc maintenant, 6 dés. On stat. Il faut un 5 plus. Un 5 plus, c'est parti. Oui. Oh, large. J'en ai 3. Est-ce que j'explose? Non. Non. Boop. Magnifique. On va déclarer une charge avec le Redemptor sur eh bien, le Maliceptor. Vas-y. C'est parti. Let's go. C'est une charge à 6. Bon, il va y être sans trop de problèmes. Le papa Dreadnought, ce sera 5 patates. 5 patates, servant de l'instant. On est sur du 3 plus. Full reroll. C'est parti. Il y a 1-6, et je vais aller pêcher. Oh, il est chaud! Ça paye. On a ancré une, mais il y a une blesse auto. On le rappelle, il a les 3 vœux actifs actuellement. C'est force 12. Il brille fort, là, il est tout doré. C'est force 12. Ce sera sur du 3+, du coup. Ouais, parce qu'on est en 11, ouais. Elle est pas mal, ça te fait tout ça en PA moins 2. C'est parti pour 5 sauvegardes invulnérables à 4. Ouf! Je vais en prendre que 2, ces dégâts. C'est dégâts 3. 3, 6, 9. Il en avait 12, il en reste 3. C'est parti pour moi, je vais pouvoir taper 3 attaques. J'ai malheureusement perdu un PV de trop, je vais donc taper sur du 4. Mais je m'en fiche. Force 9, endurance. Endurance 11 ou 10. C'est sur du 5. Endurance 10. Ça va t'en faire une s'il te plaît. PA moins 2. PA moins 2. Eh bien, sauvegarde à 4. C'est tanké. Ok. Fin de mon tour 4, j'ai réussi plutôt à sauver mes ressources, à me débarrasser de quelques menaces. Bon. Petit peu manque de réussite sur les tirs. Là, le Dreadnought, il a un peu whiffé, mais au final, ça va. Les troupes sont à l'abri dans les transports. Ça devrait aller. J'espère.
C'est parti, début de mon tour 4. Au niveau des points de commandement, Alpha est passé à 1, tout comme moi, puisque le Swarmlord, malheureusement, n'est plus là, il est sur une terre qui est bien plus accueillante, vous le verrez. Et on va enchaîner, j'ai déjà fait tous mes mouvements, pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai caché, parce que j'aimerais bien le voir à la prochaine game, parce que je le trouve trop drôle, et j'ai envie de pondre un truc aussi dans la tête d'un autre Space Marine, peut-être. Donc, lui, il est parti là, avec son petit PV. Là, j'ai pu faire une petite, un petit mouvement qui va me permettre d'aller le croquer. Pareil, là, petit move quand même qui lui permet de potentiellement d'ouvrir une charge sur le Land Raider. Donc en fait, clairement l'objectif c'est de priver Alpha du chausson qu'a le Land Raider pour la prochaine game. Donc je vais tout mettre dessus. Et les petits Gaunt ici, ils sont tout simplement mis à 12 avec toutes les squads de la Calidius pour pouvoir tout simplement essayer de, en fait, en tout cas, de lui faire du mal. On va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. Et écoute, je vais commencer par lui qui n'a pas bougé, qui va donc mettre D6 plus 3 tirs dans le Land Raider. C'est ma cible de ce tour. Je vais utiliser l'armure du mépris. Hein. On va essayer de tanker un maximum les tirs. Ok, là. D6 plus 3. Ça sera... 4. Je vais utiliser mon PC, tiens, t'as rigolé? Ah non! Eh ben! Ah, mais comme ça, on a chacun eu un 1, une tour roll 1, de... ça c'est toujours c'est plaisir. C'est mardi sur du 2. Force 8 sur du 5. D6 tir ici. 5. Force 6, endurance 12 sur du 6. Lui, 5 tirs ici de bolter lourd. Sur du 6. Et lui, D6 plus 3 tir blast dans le premier pack de scout. Ok. Ça fait 4 et 3, 7. Plus 1, puisqu'ils sont 5, 8. Sur du 4. Et sur du 2. Ça t'en fait 3, s'il te plaît. PA moins 2 pour 3 dégâts. Inopène à 6. Non. 1 mort. Inopène à 6. Eh ben non. 2 morts. Ici, les petits gones, ils vont tout mettre dans l'assassin. C'est sur du 4. Force 4, endurance 4, sur du 4. Pas mal. C'est stat. Oui. Mais pour moi, c'est pas mal. Première salve, tu as 2, 4, 5 saves. 5 saves, bah, sauvegarde à 4 plus invulnérable. Ouais. Oh là ! On est pas loin de la catastrophe. Elle a 4 PV. Ah bah non. Donc elle est morte. Oh la merde. Voilà. La merde. Eh ben, si elle sera pas dans le 3, elle vient. Non, elle sera pas dans le 3 du tout. Ah, ils aiment pas la saturation, les assassins. Et je n'ai pas le film No Pain parce qu'elle n'a pas de vœux. Ici, 2d6 tirs. Ça fait 5. C'est parti, force 6 sur du 6. Ok, très bien. Déclaration de charge de lui là-dessus. Et fa-paf. Fa-paf. Le Moloch, c'est parti pour ses 16 attaques sur du 3. Force 8, endurance 12, c'est sur du 5. Oh. Quelques-uns. Yes, et fais très attention, c'est PA-2 pour un dégât. PA-2, sauvegarde à 4. Et ben, un qui passe, un dégât. Ouais. Finopène à 6. Et ben, un dégât. Ok, on avait lui qui réussissait une charge auto. Poup. La même chose. Yep. Lui, on va commencer par sa petite langue. C'est okay. Une attaque sur du 3. Ça passe. Anti-infanterie 4 plus. Yes. Okay. Blessure dévastatrice, 3 PV cash. Ah bah 3 finopénésis. Yes. Il a qu'un PV ça. Eh bah oui, il est mort. Enfin, il est gobé. Il est gobé. Et ça, c'est moche. Pion. Et ça, c'est très très moche. On est parti. Le Redemptor qui va taper en premier, puisque c'est à celui qui ne joue pas le tour de taper en premier, sauf s'il y a des charges. On est parti. 5 patates sur du 3 plus. Reroll. Parce que ça va l'instant. Et j'ai toujours tous les vœux. Reroll. Oh, bien il est sûr. Chaud, il est chaud. Bien sûr. Il est chaud. T'en gagnes une, mais t'en perds une. J'en gagne une, mais j'en perds une. Je suis quand même content de ce que je viens de faire. Force 14, c'est sur du 3. Sur du 3. Ouf. Oh, c'est pas mal. Eh ben, ça te fait 4 save PA moins 2. Un vue à 4. Je crois qu'il est 3, 6, 9. Toasted. Est-ce qu'il explose? Ouais. D3. Une. Ici. 3. Poup, poup, poup. L'escouade du neurotyran. Une. Poup. Un neurogaunt. Tu l'as mis sur le dread? Une. Il a pris une. Feel no pain à 6. Oh, oh allez, il allez. S'en fiche. C'est bon. Il brille. Il brille. Non, il est luisant. Poup. Fin de mon tour. Faut pas voir Fin de mon tour, faut pas voir le verre à moitié vide. J'ai tué un Inceptor. Ouais, bah voilà. L'Inceptor et la Calidus. Qui sont pas là pour le 3. C'est ça, et ils ne reviendront pas. On refait la même vanne depuis tout à l'heure. Il est tard. D6
Début de mon tour, du coup, je passe à deux points de commandement parce qu'ils font, ils font le, la danse autour de la tombe de Gilliman. On va mettre le serment de l'instant sur l'exocrine planqué au fond pour que le Dreadnought et le Land Raider puissent essayer éventuellement de fumer. Concernant les mouvements, bah, globalement, là, on s'est un peu éloigné. On a rapproché cependant le Demolisher pour éventuellement faire tomber le Moloch. Donc voilà, on va essayer d'avancer, garder les blindés devant et garder les troupes à l'abri. Début de la phase de tir, le Vindicator qui va envoyer tout sur eh bien, le Moloch. On est parti, c'est D6 plus 3 tirs. Oh, 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 monsieur, ça sera 9 tirs. Sur du 3 plus. Eh bien, c'est stat. C'est stat, tout à fait. Ah, non, c'est force 14 sur endurance du 3, 10. 3 plus encore. Ouh, elle est belle. Oh, eh ben, ça, c'est pas beau, ça. Ça t'en fait, eh ben, on perd moins 3 et t'es pas au couvert. Sauvegarde à 6. Eh bien, ce sera D6 dégâts. Je pense qu'il est mort. Alors, ça nous fait 4 et 3, 7 et 3, 10. Et de 12, 13, 17 PV. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Oui. Oh, D3. Un PV ici. Le Barb Gaunt. Bah ça en tue un. Un. Poup. Maintenant, alors comment on va split? Là, on va envoyer les tirs du Dread. On va tout envoyer sur le petit père ici. Ouais. Le macro incinérateur. Et sur sauf. Et sur sauf, comme toujours. En du 9 Non, non, du 11. Ah ouais, Exocrine. C'est lui qui en du 9. Ok, j'ai perdu. C'est pourtant très clair. Oui, ils se ressemblent pas du tout. Allez, c'est parti. D6 plus un tir. Ouf. Oh, j'ai de la chance hein, sur mes nombres de tirs hein, depuis le début de la game. Ouais, moi aussi. Sur du 3 plus, full reroll. Mal. Force 9. Sur du 5. Vas-y. Oh, t'en fais 4, t'es à moins 4. C'est parti, je suis à couvert, sauvegarde à 3 qui passe à 7, qui revient à 6. Ça fait 3, pas ça à fait chaque 3, fois. 6, 9, 12. Poup. Est-ce qu'il explose juste pour lui? Non. Poup. Le tir de Melta du Impulsor directement dans le petit air. Sur du 3+, ça passe. Force 9. Endurance 9. Sur du 4+. Ah, pour une fois, PA. Ça passe. PA moins 4. Pas de save. Hein. Ah. Alors, en plus, je me suis mis à portée de Melta. Eh ben vas-y, D6 plus 2. Ok, ça fait 5 plus 2 et 2 plus 2. Ça fait 7 et 4, 11. Il est peut-être bien mort. Ah oui, t'avais Feel No Pain. Oui. On est large, attends. Ah bah, oh. T'as l'air de fou, là. Feel No Pain à 5, il lui reste 4 PEV. 1, 2, 3, 4. Bon. Oui, s'il explose. Non. Non. Oups. Le Land Raider Redeemer, on est parti. 2 des 6 tirs plus, 3, plus 6. Eh bien, ce sera 3 tirs plus 6, donc 9 tirs. C'est parti, 9 tirs sur le Trigon Force 6, donc sur du 5. C'est un Moloch, mais ça va. Je comprends tout le temps. T'as une save, fais à moins 2. Ça tanque. 3, moins 2, 5. Maintenant, les deux tirs de Melta sur du 4+. Parce que je suis au corps à peu près. Ouais. Canon d'assaut sur du 4+. Magnifique. Ça en fait 4. Maintenant, c'est force 6 sur du 5, mais Twin Linked. Eh ben, Twin Linked, on va aller chercher une reroll. Eh ben, il n'y a pas de 6, donc ça te fait 2 save PA 0. 3+. Non, 2 PV. 2 PV. Il y en a 12. Des 6 tirs, le lance-grenade. Ce sera 4 tirs plus 1. 5 tirs sur du 4+. Pas mal. Force 4. Endurance 3. Sur du 3+, ça t'en fait 2 PA 0. Sauvegarde à 6. Non, 2 morts. Poup, poup. Et ben voilà pour les tirs du Land Raider Redeemer. Et voilà pour tous les tirs. Phase de charge, il n'y a plus qu'un un seul truc à tenter pour ce tour. Le Dreadnought sur ce petit pépère. Ça doit être 7, 8. Ouais, vas-y, tente là. Hein. On est parti. C'est pas ça en tout cas. Allez, je la reroll. Oh, 9, je pense qu'il y est. Ah oui. Du coup, il me reste un point de commandement, un dernier, parce que j'ai utilisé l'avant-dernier que j'avais pour la reroll. Donc on va utiliser les pronages. Il est force 12, il doit donc jeter 12 dés, mais comme c'est supérieurement d'endurance, il en a deux bonus. Il va donc jeter 14 dés sur chaque 5+, ça sera une blessure mortelle. Et il est capé à 6. Eh ben, ça te fait une, 2, 3, 4, 5. Putain, j'allais dire, oh, il n'y a pas de 6. Et en fait, 5 mortels cash. Ça va, heureusement qu'il y a eu des 5. Bah, ça fait 5 BM, en effet. Écoute, il me reste 7 points de vie. On est parti, du coup, 5 patates. 5 patates sur du 3+. Sustain. Oh, donc, une qui part, qui revient. Sur du 3. Eh ben, ça t'en fait 3. Là. PA moins 2. Sauvegarde à 5. J'en veux en prendre une, ces dégâts. 3 chacun. Il me reste un peu. Oh, pas lui. Hein. Si lui le fait...
Si lui le fait, je suis désolé. À moi de taper, je tape avant, mais maintenant j'ai plus qu'un PV, je vais toucher à moins 1, donc je vais faire. Bah, tout à l'heure, je lui fais un PV et je touche à 3, là je vais toucher à 4. C'est parti, je suis force 8, il est endurance 12, de toute façon j'ai aucun intérêt à taper sur lui parce qu'il diminue les dégâts, de toute façon je suis dégâts 1. Écoute, ça va t'en faire aucune. Okay. On va accélérer cette game. On est parti, le Land Raider. Est-ce que je t'écrase sous la chenille? C'est sur du 4+. Ouais. Il s'en fuit d'une, hein. Il en suffit d'une. Il y en a deux. Il en suffit d'une. Sur du 5? Force 6, force 8. Sur du 5? Ah, il n'y en a pas. Ok. Ben voilà. J'annonce, à mon tour, je vais me désengager. Et ça sera la fin de la game si ça te va. Ouais, bien sûr. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Tu m'as bien meulé. Est-ce que tu peux faire un petit point sur ce qui te reste en vie pour la prochaine campagne? On a déjà regardé, c'est un peine moins de 2000 points. Ce qui est c'est ouf ça. Déjà. Ouais, on a réussi à garder beaucoup de monde en vie. Après, on a peut-être un peu joué pleutre sur la fin de partie. Mais il fallait qu'on conserve ses forces pour revenir plus fort. Bah, là, au final, je conserve en termes de véhicules 2 Impulsors, 1 Land Raider Redeemer. Je suis content. Parce que c'est un beau chausson. Il y a un très beau chausson qui pique fort. Un Vindicator qui pique fort aussi, ouais. On l'a vu. On conserve aussi du coup bah, le Dreadnought Redemptor qui aussi est vraiment excellent, surtout avec le petit buff narratif qu'il a. Il brille de mille feux avec tous ses vœux. Tendre pote qu'ils vont pouvoir retourner justement dans le ciel et bah, potentiellement revenir plus tard. C'est vrai, bah, je me retrouve avec une liste où il y a trop de transports et pas assez de troupes pour les mettre dedans. Je crois que t'as aussi trop de persos, qu'est-ce que t'as alors en unité? Ouais, alors en termes d'unité là, en termes d'unité là, d'infanterie, j'ai deux escouades de 5 frères d'épée. J'ai une escouade de 2 Infernus Marines, j'ai une escouade de 5 scouts, une escouade de 3 scouts, j'ai ensuite une escouade de 4 Infiltrators, et voilà. Et ensuite, en personnage, j'ai un judiciaire, un champion de l'Empereur, Elbrecht, un Castellan, donc lieutenant, j'ai un lieutenant combi Bolter, et j'ai Grimaldus tout seul, sans ses bannières, sans que dalle, il est tout seul le mec, il a survécu, il s'est pris un temple sur le crâne, il a survécu. Pareil là. Écoute, pour des personnages, ce qu'on va faire, ça sera au début de la prochaine vidéo. En fait, on jettera un dé pour tous les survivants parce qu'ils vont hériter d'un trait par rapport à la bataille de Sigma Theta. Ah oui! Donc okay. Ça, c'est assez cool. C'est l'intérêt aussi, justement, de faire des campagnes comme en mode Crusade. Tu vas pouvoir, justement, aller chercher des petits buffs et ainsi de suite. En tout cas, qu'est-ce que t'as pensé de cette game narrative? Globalement, c'était du bourrinisme, mais j'ai aimé les petites interactions au début avec des espèces de petits easter eggs qu'il y avait à l'intérieur, ouais. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que t'en as pensé? L'idée de la machine à fumer, c'est incroyable. C'est trop drôle. C'est à toi en termes d'immersion, parce que tu veux, moi, quand j'ai bougé, fou. Et en fait, c'est très difficile de se rendre compte que, mine de, des fois, on voit un point à la caméra, mais il suffit qu'on se retire de quelques centimètres, et en fait, la fumée, elle devient ultra occultante. Ouais, c'était trop bien parce qu'en fait, au début, je voyais même pas certaines unités. Genre, j'ai découvert au tour 2 qu'il y avait un neurotyran planqué derrière. Au début, je le voyais pas. Très fier de mon gotcha. Ouais, non, mais, oh, c'est vrai, c'est même un gotcha. Oh là là. Non, c'était trop cool parce que du coup, il y avait vraiment cette surprise et cette angoisse. Donc, moi, j'ai adoré le déploiement. Et en effet, les petites règles de mission, tu peux pas tirer trop loin, tout ça, c'était cool. Il aurait peut-être fallu que toi, tu puisses tirer loin. Quand moi je pouvais pas, pour un peu faire en sorte qu'il y ait cet avantage. Que mon attrition au tir est impressionnante. Oui, c'est vrai que c'était pas évident. Mais non, c'était trop bien. Franchement, je me suis régalé. Les Black Templars, en plus, dans ce genre de scénario, c'est là où ils excellent. Bien sûr. C'est les mecs, go, ils courent tout droit, ils pulvérisent tout ce qu'ils croisent. Enfin, c'est trop, trop jouissif à jouer. Donc, moi, je me suis bien amusé. C'était trop fun. Voilà. Donc là, je te rappelle, tu as réussi à faire 150 kill points. Donc, résultat, tu as libéré la table et tu vas pouvoir découvrir la suite, en tout cas, et le dernier épisode de cette campagne narrative, si tout se passe bien. À savoir quand même que toi, c'était le chat qui avait élu ton chapitre, c'est-à-dire les Black Templars, pour venir justement répondre au message du défunt Immortus. Et là, tu vas aussi pouvoir justement, toi, choisir un allié Astartes qui recevra justement le message que tu as reçu par le passé. Donc tu vas pouvoir choisir entre Aishi et ses Wildscars, Mr. M et ses Blood Angels, ou Timothée Montaigne et ses Space Wolf. C'est un choix cornélien. Il y en a un, c'est un style physique, l'autre, c'est un style artistique, et l'autre, c'est avec sa bruit de bouche. Je me dis qu'à deux, vous allez faire un sacré... Je réfléchis au fluff. Qui est-ce que les Black Templars respecteraient? En réalité, les trois, hein, parce que les trois sont plutôt bourrins au corps à corps. T'as trois personnalités différentes, aussi bien sur l'ADN que des humains. Donc, franchement, tu as kiffé. Ouais. Écoute, moi, je trouve que je manque un peu de vitesse. Et de Britain. Et je suis fan de The Who. Donc, je vais faire appel au chapitre des White Scars.
Nous avons dégagé la zone d'atterrissage pour vos Thunderhawks. Nous avons besoin d'aide. Aishi, cet appel est pour toi. Écoute, en tout cas, merci infiniment. Moi, j'ai trouvé que c'était un régal, en fait, d'avoir une partie sans enjeu. Pour la prochaine game, vous allez voir, il y aura beaucoup plus de surprises, aussi bien IRL que in-game. Et on va aussi intégrer des objectifs secondaires pour avoir quand même un petit peu plus de challenge intellectuel et pas que justement ce rouleau compresseur qu'on a vu, qui est très jouissif, surtout quand on commence des armées ou si tu veux, on se fait plaisir en narratif, puisqu'on joue des gros formats, on peut jouer des figurines qui sont pas forcément optimisées. Et en fait, on trouve tout le temps une justification à leur rôle, que ce soit sur le tanking ou la prise de position. Donc pour ça, c'était vraiment trop cool. Merci beaucoup d'avoir répondu justement à l'appel d'Immortus. Eh ben écoute, un grand plaisir Immortus, on mettra des petites fleurs sur ta tombe. Voilà. on a dégagé le jardin en tout cas, on a essayé d'élaguer au maximum, mais non, c'était trop fun et en effet, j'avoue, ce serait cool de rajouter des petits secondaires, parce que moi j'ai ramené vraiment littéralement toute ma collection. Genre là, j'ai tout ce qui est... Mais tu finis encore deux jours en fait pour j'ai fini deux, trois petits gars pour le rapport, donc j'ai vraiment tout ramené, tout ce que j'avais. J'ai même pas fait de liste. Il m'a dit tu peux ramener 3000 points, et j'ajoutais tout au fur et à mesure. Et je sais pas si j'ai 3000. Je finis de rajouter tout, je finis à 2995. C'est bon, j'ai tout mis, je viens avec tout. C'est vrai que c'était propre, putain. Donc, parfait. En tout cas, encore une fois, un grand merci à toi d'être venu. Pour ceux qui ne connaissent pas AlphaCast, même si maintenant tu es un vrai Wargamer, hein, pour nous, tu es accepté. Hein, maintenant que je joue Space Marine, je suis un vrai Wargamer, c'est ça. C'est assumé. Avant, tu n'avais pas une vraie armée de Warhammer. Voilà, tu joues pas sur toutes les phases. Je crois que si tu joues sur toutes les phases en tôt, ce qui était particulier. Avec les croûtes là, j'ai joué sur toutes les phases. Personne n'est prêt. 80 croûtes là, pam, ça va charger. C'est vrai que ça va arriver ça. En tout cas, je mettrai le lien de ta chaîne directement en description. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.